Rebonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Ok, bienvenue à deuxième session d'aujourd'hui, session B, qui va parler de. En fait, l'intitulé, c'est le développement vous par marche. On a trois interventions et la modération de la table est par Monsieur Piveteau. On peut commencer là. La session, si vous voulez commencer par quelque chose et puis dire quelque chose ou directement l'intervention. Je prends la parole pour dire que je préfère qu'elles commencent leurs interventions. C'est quand même le principal matériau. C'est pas ce que j'ai à dire. Je vais surtout vous écouter et vous entendre. Ça serait bien qu'on augmente un peu l'interaction avec la salle. Donc à vous de jouer. Alors je sais pas qui commence. C'est moi. Allez. Alors par contre, c'est combien de temps? 20 minutes. 20 minutes, ok. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Élise Huitmans. Je viens du laboratoire d'anthropologie prospective à l'UC Louvain. Je suis en deuxième année de thèse de doctorat. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est, du coup, quelque chose que j'ai intitulé Dépasser l'approche top-down ou bottom-up, donc la narrative du développement dans le cadre de la santé en milieu rural malgache. Je préviens d'avance que tous les noms et lieux sont anonymisés par protection et respect de mes interlocuteurs et interlocutrices. Donc, c'est normal si c'est un peu flou des lieux. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment une démarche ethno où il n'y aura pas beaucoup de chiffres, d'échantillonnages, etc. L'objectif, c'est vraiment d'essayer, à travers cette présentation, de vous donner un autre regard, peut-être moins hégémonique, sur comment le développement en fait se vit. Et pour ça, j'ai choisi l'approche de la narrative, donc. Alors voilà. Donc en fait, l'analyse du langage et du discours en anthropologie, c'est une approche qui est vastement utilisée depuis ses débuts. Donc il y en avait déjà chez Malinowski qui parlait d'un rôle pragmatique actif. Mais l'objectif ici, c'est moins une étude linguistique en fait qu'une démarche vraiment méthodologique qui consiste à questionner les discours en tant que levier pour une pensée plus globale de la problématique étudiée. Et en effet, du fait de son objectif même, le développement et les pensées et pratiques qui l'accompagnent voyagent. Le développement a une origine relativement circonscrite, donc la société occidentale des années 1950, mais est un des paradigmes finalement que moi je trouve les plus emblématiques des transformations sociétales postcoloniales dans les sociétés désignées dites du Sud. Les modalités de diffusion du paradigme de développement ne sont pas pour autant désinvesties de sens particulier. Donc on a Jean-Pierre Olivier de Lestardens qui l'a quand même bien démontré dans son texte Les modèles voyageurs en 2018. Les rationalités variées du développement sont produites en fonction de règles du coup institutionnelles qui sont relativement standardisées. Et du coup, selon ce dernier, donc selon Jean-Pierre Olivier de Sardan, nous faisons face aujourd'hui à une hégémonie des modèles adoptés tant par les bailleurs de fonds internationaux que les gouvernements locaux et qui entrent souvent en tension avec les problématiques locales, si pas en conflit direct. L'objectif de cette communication n'est donc pas la critique du modèle top-down hégémoniste, parce que, à mon humble connaissance, je pense que c'est quand même quelque chose qui a déjà été réfléchi au sein du développement et longuement débattu. Bon, notamment moi, je suis beaucoup les travaux d'Olivier de Sardan parce qu'il a été un des pionniers dans l'anthropologie du développement. Donc, ce que je souhaite amener dans cette communication, c'est comment la focale sur le discours utilisé par les populations cibles des programmes de développement permet une étude originale du sens donné à ces modèles voyageurs standardisés. Je fais l'hypothèse ici qu'une compréhension fine de l'utilisation et de la diffusion de certaines expressions langagières, telles que la santé, par mes interlocuteurs et interlocutrices de terrain, interroge comment les concepts, souvent issus du top, viennent faire écho aux réalités locales, désignées aussi comme bottom. Il ne s'agit donc pas de remplacer le top-down par une vision plus bottom-up du développement, mais de comprendre comment le paradigme du développement peut créer des échos, des variations infiniment complexes dans la pensée et les pratiques, les modes de vie qui ne sont pas dans la confrontation du top et du bottom, mais plutôt dans un syncrétisme original qui peut mettre en lumière certaines réalités pragmatiques des publics cibles des pratiques de développement. Et donc, loin d'être des ensembles rigides, celles et ceux qui font le développement et celles et ceux qui la dites reçoivent partagent en réalité des espaces-temps, des réalités connexes, bien que chacun et chacune y dispose d'une place particulière, notamment et surtout du fait des rapports de pouvoir intra- et extra-institutionnels. Au niveau local, le développement se fait dans un vivre-ensemble relationnel des différents acteurs et actrices impliqués.
Alors, pour ce faire, je vais donc développer ici un cas particulier d'un terrain ethnographique réalisé en 2018 en milieu rural à Madagascar. Et plus précisément, l'idée est de développer ce que signifie l'expression « être en bonne santé » par mes interlocuteurs et interlocutrices de terrain. Et donc pour ça, je dois dans un premier temps, évidemment, poser le contexte dans lequel ces enjeux prennent place. Donc, à Madagascar, pays marqué par une économie déliquescente ayant considérablement affaibli le système de santé, l'hôpital et plus largement les formations sanitaires constituent un lieu où se joue un ensemble de tensions souvent qualifiées de reflet de l'état malgache défaillant. Ça a été analysé notamment par Claire Mestre. Le système de santé est organisé sous forme de système pyramidal, avec beaucoup de faiblesses structurelles et matérielles, qui font l'objet de vives critiques de la part des chercheurs, mais aussi des acteurs du monde associatif, ainsi que de la population. Et bien que le pays s'engage depuis les années 60 à réformer son système de santé, les multiples crises politiques de ces dernières décennies ont entraîné une fragilisation croissante du système de santé publique et de ses infrastructures. Bon, les carences identifiées, elles sont nombreuses. Je vais les passer vite en revue parce que je n'aurai pas le temps ici de vous faire toute une analyse contextuelle. Mais on parle vraiment de carences infrastructurelles, donc bâtiments et infrastructures délabrées. L'acheminement des médicaments et du matériel médical est vraiment très complexe et irrégulier, surtout en milieu rural. On a un fort développement des secteurs informels dans la revente des médicaments, qui entraîne une forte variation des prix de vente. Le personnel soignant est trop peu nombreux, manque de formation adaptée, et finalement, mais pas seulement, il y a encore d'autres choses, mais il y a aussi la petite et la grande corruption qui se retrouvent presque généralisées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. De plus, la santé à Madagascar est caractérisée par une pluralité des cultures médicales. Les pratiques thérapeutiques dites traditionnelles se situent depuis la colonisation de Madagascar par la France, à l'intérieur d'enjeux de pouvoir très complexes par rapport à la médecine qualifiée de moderne. Et là, vous avez Pierrine Didier qui a fait une très bonne thèse à ce sujet. Par ailleurs, à l'instar de d'autres pays africains, Madagascar s'inscrit dans les recommandations de l'OMS en ce qui concerne le développement d'une médecine dite intégrative, c'est-à-dire l'institutionnalisation du contact entre ce qui est considéré comme deux systèmes de soins coexistants à l'intérieur du pays. Et pourtant, en fait, on se rend compte que la rencontre entre biomédecine et médecine dite traditionnelle est loin de se faire selon deux blocs homogènes qu'on pourrait manipuler séparément, intégrer ou désintégrer, séparer ou rassembler. La dite médecine, la dite santé, les dits soins maternels ne sont pas des allants de soins. Ces manières de classifier, de raconter et d'analyser ce qu'on appelle les soins médicaux ou plutôt biomédicaux à Madagascar prend son essence, comme je viens de le dire, dans un contexte très particulier où sont imbriqués depuis un peu plus d'un siècle maintenant des enjeux de reproduction sociale, de pouvoir politique, de jeux d'influence et d'objectifs d'éducation et de dite civilisation à un certain mode de pensée et par extension de soigner. Et les syncrétismes, mélanges, réappropriations sont vraiment nombreux. L'exemple le plus connu est celui du fanafoudi. Fanafoudi, c'est un terme malgache qui désigne le médicament allopathique, mais qui en fait à son origine provient du terme oudi qui signifie sort ou remède. Alors, pour rentrer dans le plus concret et comment ces concepts du coup de la santé prennent des formes variées, je vais partir d'un cas ethnographique de mon mémoire de master réalisé en 2018. Qui a été en partie en collaboration avec l'Institut Pasteur de Madagascar. Et donc, dans le respect des normes éthiques, comme je l'ai dit plus tôt, les interlocuteurs et interlocutrices sont anonymisés. Donc, le terrain, c'est dans une commune rurale du sud-est de Madagascar, Mbouanzou. C'est une petite commune de 15 000 habitants, répartie sur 11 villages et chacun séparé en plusieurs hameaux. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est relativement, si pas totalement réduit. Donc on a deux pompes à eau qui se situent au niveau du chef-lieu de la commune, et c'est tout. Aucune latrine, aucune installation sanitaire. La plupart des ménages vivent de l'agriculture, majoritairement en insécurité alimentaire, notamment parce que Mbouanzou est propice à des risques climatiques importants, cyclones, fortes précipitations notamment, et ça va influencer tout au long de l'année les conditions de vie des populations locales. Plus particulièrement en ce qui concerne la santé, alors je ne sais pas si j'ai pas fait une slide là-dessus, mais donc on a ce qu'on appelle un CSB, c'est un centre de santé de base. Et donc il y a une femme médecin, une sage-femme et une dépositaire de médicaments. Ça va être en gros la vendeuse de médicaments. C'est la personne qui va tenir les comptes, les chiffres et le ravitaillement quand c'est possible, avec toutes les difficultés déjà citées plus haut. Il faut savoir que sur tout le village, donc les gens se situent entre du coup 0 et 15 km de ce centre de santé. Et en appui, il y a d'autres prestataires de soins qu'on appelle les agents communautaires que j'aborderai pas aujourd'hui.
Mais comme ça, vous savez qu'ils existent. Donc, c'est des personnes locales du village qui vont être formées dans la prise en charge des maladies de l'enfant au niveau communautaire. Et donc, outre les soins dits officiels, on a les Reninzaza, qui sont les matrones. Les matrones, c'est des accoucheuses traditionnelles. Et c'est elles qui assurent en fait plus de la moitié des accouchements. Leur intégration est donc complexe et conflictuelle pour les raisons que j'ai citées dans le contexte, mais aussi parce que sur le terrain, elles sont régulièrement la cible d'accusations de la part des soignants biomédicaux en ce qui concerne la mortalité maternelle et périnatale. Sur le terrain, j'avais, étant donné avec ma collaboration notamment avec Pasteur, une place plutôt institutionnelle et donc ancrée dans les lieux de soins biomédicaux. Mes observations et entretiens ont pris place au sein du centre de santé, lors des consultations, des moments de vaccination des enfants de moins de 5 ans, des consultations prénatales et des accouchements. Et donc cette place particulière m'a permis de me pencher, entre autres, sur la question de ce que signifiait pour les habitants, habitantes du village, la bonne santé. Donc que signifie la bonne santé? Ça va être un peu le cœur de ce que je vais raconter. Donc, pour ça, je vais faire quelques détours par des résultats clés qui sont ressortis de mes observations de T1. L'objectif est donc de mettre en avant la complexité des enjeux, la multiplicité des facteurs parfois inattendus qui composent la vie de mes interlocuteurs et interlocutrices. Alors, le personnel de santé qui travaille là à Mbwanzu est composé donc d'une médecin-chef et d'une sage-femme. Et elles viennent toutes les deux de grandes villes à plusieurs jours de voiture du village. La médecin-chef, elle est responsable du centre, mais c'est avant tout la sage-femme qui s'occupe des soins et des consultations. Contrairement au médecin, la sage-femme porte toujours sa blouse blanche. La médecin, quant à elle, est décrite par nos interlocuteurs et interlocutrices comme moderne, pas de chez nous, notamment due à son style vestimentaire urbain. La démarcation entre les villageois et le personnel de santé se fait, comme Jaffrey Pruel le disait déjà en 1993, par des symboles du coup visuels particuliers qui matérialisent la hiérarchie médicale et sociale. Par ailleurs, le CSB constitue également une sorte d'arène où se cristallisent des enjeux surtout autour de la pauvreté. En effet, face aux multiples manquements qui touchent toutes les infrastructures de soins, il convient aux familles de s'organiser et toutes ne peuvent pas le faire de manière égale. Dans un premier temps, un séjour au CSB, donc au centre de santé, demande une capacité forte de mobiliser des ressources humaines, souvent la famille, afin de faire les gardes malades ou des rondes, selon les termes des interlocuteurs et interlocutrices. L'entourage représente alors un soutien moral, mais surtout financier et logistique. Dans ce contexte fragile, un épisode de soins majeurs entraînant un recours au système de soins biomédical peut dès lors faire basculer une famille dans l'extrême pauvreté. Comme nous le raconte Rassou, mère de 5 enfants, donc là je vous ai mis un petit extrait d'entretien. Rassou, elle nous dit « En fait, il nous est arrivé beaucoup de choses. On a vendu jusqu'à notre dernière poule, jusqu'à notre dernier grain de riz, tous les stocks qu'on avait à la maison pour pouvoir acheter des médicaments pour elle. Le prix des médicaments était vraiment... Le prix des médicaments en dépiqûre, ah, si on avait réfléchi, on aurait dû faire des économies. Mais à cause de notre pauvreté et parce que les enfants ont besoin d'être nourris, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ma fille était enceinte et pourtant il n'y avait rien. En une semaine, on a mangé tout notre riz. C'est ce que nous avons fait à ce moment-là. On a vendu jusqu'au dernier grain de riz. » Et donc les manques structurels de santé, des centres de santé, permettent donc d'éclairer déjà partiellement ce que moi j'ai appelé la surresponsabilisation des familles dans leur parcours de soins. Et les résultats laissent également entendre la manière dont les relations entre soignants et parturientes viennent en fait mettre en perspective l'explication purement économique des coûts de soins de santé et des accouchements. Parce qu'en effet, les villageois et villageoises, et surtout les mères, entretiennent un rapport très particulier avec la sage-femme, figure centrale des soins à Mbwanzu. Pour aller voir la sage-femme, il faut se préparer pour être bien reçu. Et là, on a un extrait de Landrine, qui est mère de 2 enfants, et elle nous explique la manière dont elle va se préparer en vue des séances de vaccination de routine des enfants. On se lave avec du savon et on se prépare, parce que Rassasi, donc la sage-femme, n'accepte pas les personnes sales. Il faut avoir des vêtements propres. Les saletés dans les ongles doivent être enlevées. Elle n'accepte pas que le bébé soit sale. Les enfants qui ont le visage sale, elle ne les accepte pas. Elle dit qu'il faut être propre. C'est ainsi qu'on est en bonne santé. Et donc cet extrait nous montre du coup un premier aspect de cette ambiguïté autour de l'expression, la notion « être ou se maintenir en bonne santé ». Selon les femmes, l'accès à des soins de qualité est déterminé par une certaine conformité aux attentes de la sage-femme en termes de propreté et de pouvoir d'achat. Les mères indiquent la nécessité d'avoir l'air propre. Le pouvoir d'achat des mères est également en jeu, à savoir la capacité à prendre en charge les frais non attendus liés aux soins. Les seringues servant à l'administration de la vaccination pour les enfants, par exemple, en cas de rupture d'approvisionnement sont du coup payantes, ce qui arrive très souvent.
Parfois, ces attentes, elles peuvent avoir des réponses favorables. C'est le cas, par exemple, d'une des mères informée des demandes spécifiques et qui peut alors survenir aux besoins matériels du centre de santé. Mais certaines femmes, non préparées ou en incapacité de respecter ces injonctions, se retirent carrément des séances de vaccination quand une contribution leur est demandée ou évitent carrément de recourir à la sage-femme pour les soins. Une nette différence dans l'accès aux soins se crée entre les mères. C'est logique, elles s'étendent à tous les types de soins, mais en particulier à ceux qui tournent autour de la grossesse et la maladie des jeunes enfants. Et par ailleurs, en prévision de l'accouchement, les mères entretiennent des liens courtois avec la sage-femme afin de s'assurer un accueil favorable en cas de difficultés liées à l'accouchement. Donc là, on a un petit extrait d'une interlocutrice que j'ai appelée Justine. Et elle dit « Je suis toujours allée aux consultations prénatales. Elles ne te reçoivent pas pour accoucher si jamais tu ne le fais pas. Elles regardent le registre de consultation et si jamais il n'y a pas ton nom ou que tu n'as pas de carnet de santé pour aller accoucher là-bas, alors tu ne peux pas. Alors tu meurs vraiment, même si tu ne dois pas mourir. Si c'est juste le fait de ne pas avoir fait les consultations... En fait, pardon, si c'est juste le fait de ne pas avoir fait de consultations prénatales qui te tue. Bah donc forcément, on y va. » Les consultations prénatales constituent du coup un enjeu de taille. Le récit suivant est un récit qui est un peu dur, mais qui, à mon avis, est quand même assez important pour comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est celui de l'accouchement de Rosine et qui va illustrer du coup ce même besoin de démontrer au personnel de santé sa capacité financière au niveau d'elle et de sa famille. Et donc, Rosine, elle va se présenter au centre de santé un jeudi matin aux alentours de 6h30. Elle est originaire de Bessavoie, qui est un village à une vingtaine de kilomètres à pied et en pirogue de Amboine, où se situe le centre de santé. Et dans son village, il n'y a pas de centre de santé, donc elle est obligée de faire ses 20 kilomètres. Et donc, lorsque Rosine perd les os, elle va se rendre d'abord chez son accoucheuse traditionnelle, qui est la plus proche. Elle estime qu'au vu des complications que présente la naissance, elle ne peut pas prendre en charge l'accouchement, et donc elle va la réorienter vers le centre de santé le plus proche. Du coup, la famille de Rosine mobilise toutes les ressources disponibles. Entre la rupture de la poche des os et l'arrivée de Rosine au centre de santé, il y a plus de 24 heures. Et donc, le bébé présente en fait des grands risques d'infection parce que la poche est rompue. Et donc, le milieu n'est plus stérile, le milieu du bébé. Donc. Le travail est long et difficile, mais le bébé finit par sortir et pousser son premier cri. La sage-femme demande à la famille où se trouve le linge de l'enfant. La grand-mère lui tend un sachet et la sage-femme y découvre du linge rose alors que le bébé est un petit garçon. Oui, c'est parfait. Elle dit « Vous n'avez rien d'autre ?» demande alors sa sage-femme d'un ton réprobateur et moqueur. Par ailleurs, la famille n'a apporté ni alcool ni fil pour nouer le nombril de l'enfant. Ils n'ont pas de quoi effectuer une suture après l'épisiotomie non plus. La sage-femme monte le ton. « Mais où est donc le fil ?» Ce à quoi la mère de Rosine répond « Ben, nous n'en avons pas. » Et il en va de même pour chaque matériel estimé nécessaire pour les soins. Finalement, le nombril du nouveau-né est ligaturé avec un bout de fil à coudre et la mère et l'enfant partent dans la salle des accouchés. Quelques heures plus tard, le nouveau-né décède, probablement du coup au suite d'une infection. En questionnant la sage-femme du coup sur cette issue malheureuse, elle va nous dire qu'elle ne voulait pas de son enfant. Elle n'avait aucun matériel, rien qui n'était prêt pour venir. Ne pas avoir de matériel est dans le discours de la sage-femme la démonstration d'un manque de volonté et de capacité pour la mère et sa famille de prendre soin d'un nouveau-né. Cela suggère dès lors que le besoin matériel exprimé par nos interlocuteurs et interlocutrices dépasse du coup le simple besoin de combler des manques structurels du système défaillant. Alors, je vais vous passer un petit passage, comme ça je peux arriver à la conclusion et laisser de la place aux autres intervenantes, mais il faut savoir qu'il y a du coup beaucoup de honte qui vont naître dans ces contextes-là, de la honte vis-à-vis des soignants et soignantes, je crois que du coup on peut comprendre là où ça naît, mais aussi du coup entre tous les soignés entre eux et entre elles. Parce qu'on finit par arriver dans un contexte où il y a un concours de pour être en bonne santé, les marmites doivent être pleines, les vêtements doivent être beaux, le linge doit être propre. Souvent nos interlocuteurs et interlocutrices disaient « c'est comme aller à l'église », ce qui l'église étant donc le lieu public par excellence. Or, la matrone, ça c'est ce qui se passe dans la maison de chacun. Et donc on voit que la matrone va avoir un rôle quand même assez inattendu, auquel on s'attend peut-être pas. On a tendance à vraiment penser ces catégories sous forme traditionnelle, rituelle, etc. Alors qu'elles ont un... L'heure a sonné. Je vois 17, hein, j'ai 3 minutes.
Donc on voit que finalement la matrone, elle déplace complètement ce qu'on imaginerait être un rôle traditionnel, parce qu'elle permet vraiment aux mères d'éviter la honte et d'éviter tous ces problèmes au centre de santé, et donc elle devient un acteur beaucoup plus économique que ce que nous on imaginerait comme traditionnel. Et du coup je vais finir sur 2 minutes de conclusion. Du coup, ben, qu'est-ce que c'est la santé finalement? Comment la penser? Parce qu'ici on voit que la santé, c'est être propre, c'est avoir un carnet bien rempli, c'est venir à l'accouchement, c'est avoir du matériel en abondance et le plus neuf possible, c'est faire toutes les consultations prénatales. Et du coup, entre soignants et soignés, mais aussi entre tous les soignés, le lien social va être vraiment caractérisé par de la défiance, un face-à-face permanent où la question du matériel et de l'argent est centrale. La honte s'abat sur celles et ceux dont la nourriture n'est pas assez riche, dont les vêtements ne sont pas assez propres, dont le linge n'est pas assez neuf. La santé au centre de santé, au CSB, c'est du coup développer des stratégies afin d'essayer de naviguer dans ces nœuds sociaux peu stables. C'est tenter de sécuriser ses liens avant tout, et cela passe entre autres par des dépenses et des possessions. Et alors finalement, du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Et en quoi ça nous permet de complexifier la pensée bottom-up versus top-down? Alors là, je me suis inspirée de plusieurs chercheurs, chercheuses... c'est le stress, là. De plusieurs chercheuses et chercheuses, notamment le fait que l'anthropologie est une pensée non hégémonique. Ça veut dire qu'elle essaye de dépasser, elle essaye de sortir d'une pensée du Nord au détriment des pensées et des savoirs dites du Sud, mais du coup invite à vraiment à briser l'antique distinction entre le nous et le eux. Par ailleurs, du coup, Joseph Tonda. j'utilise du coup juste ma dernière minute avec notamment la pensée de Joseph Tonda qui nous invite à prendre en compte du coup les imaginaires, on voit ici, qui sont très cruciaux, ainsi que leur violence et leur circulation qui ne se fait pas sur une route tout tracée, mais comme on l'a vu, qui se constitue de nœuds et de tensions dont les différents groupes sont vraiment beaucoup moins distincts que ce qui n'y paraît. Et puis de plus, sortir de la pensée bottom-up et top-down empêche de penser le développement dit à bureau fermé, pour reprendre l'expression de Francine Saillant. Ni cloisonnement du bottom, ni cloisonnement du up, mais plutôt du bon à penser, de l'anthropologie qui invite à penser avec. Je terminerai par reprendre l'expression puissante de la philosophe décoloniale et afro-critique Rosine Song. Des pièces détachées avec un mode d'emploi ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est de décloisonner les frontières imaginaires entre acteurs et usagers, entre faiseurs et receveurs, pour utiliser des termes qui, quoique qui sont un peu caricaturaux, je l'entends, mais servent mon propos aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Vous préférez intervenir ou revenir à la fin? Je ne sais pas. Tout à l'heure, on a fait sur chaque. Ouais. Peut-être qu'on peut avoir deux moments, c'est-à-dire un moment particulier sur chaque intervention. Je pense que pour les auteurs, en tout cas moi, quand je présente, je préfère. Et puis un moment peut-être plus là où vous nous amenez là, par exemple, à la fin de la présentation, remonter en généralité peut-être et échanger plus théoriquement, conceptuellement ou sur la discipline. Là, je vous laisserai faire parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Peut-être quelques mots sur la lecture quand même de votre texte et la présentation. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez un an de travail en thèse pour le moment, hein, c'est ça. Donc je pense qu'on peut tous reconnaître et souligner la richesse du matériau que vous avez déjà accumulé, de la réflexion que vous proposez, et puis la remontée en généralité que vous proposez déjà, qui n'est pas... Ce que je trouve intéressant, je vais démarrer par ça en fait, c'est que vous affrontez immédiatement, vous essayez de dépasser le déponsif en fait, qui consiste, alors vous avez utilisé le nous, le eux, le top-down et le bottom-up. Je trouve très bien d'essayer dès le départ de ne pas s'enfermer dans ces catégories-là, on dit, surtout en tant qu'anthropologue, ou, mais je dirais, chercheur de terrain, en sciences sociales, ça marche pour tout le monde, où la grande tentation au départ, c'est de se penser mieux équipé que tous les prédécesseurs pour d'abord parler au nom d'eux et pas de nous, et finalement reproduire ces catégories qu'au final on cherche tous à dépasser. Je trouve que votre démarche au bout d'un an là est très enrichissante et très stimulante et très prometteuse. Alors ensuite, j'ai des questions, moi, plus précises.
sur des termes qui sont importants pour la structure de votre texte et dont je n'ai pas perçu, parce que vous n'avez pas le temps dans ce texte-là forcément de le développer, la portée conceptuelle et méthodologique. Hein. Vous aurez compris sur mes interventions que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que même après 30 ans de recherche, moi je continue à galérer pour arriver à combiner une pratique de terrain, un raccrochage à la théorie, des concepts qui permettent de passer de l'un à l'autre. C'est compliqué. Et en fait, on est continuellement confronté à ça. C'est pas parce qu'on le présente avec un peu plus d'assurance, en tout cas on essaye au bout de quelques années, qu'on y arrive. Alors parmi ces mots que vous utilisez qui semblent importants, et je ne sais pas si ce sont des concepts chez vous, il y a le terme écho. Vous utilisez le terme écho, vous l'avez utilisé dans votre présentation, je crois, pour essayer de lier, dépasser justement cette césure entre top-down et bottom-up. J'aimerais savoir si voilà, c'est un terme pratique pour décrire quelque chose qui reste encore à creuser conceptuellement, ou si vous avez quelque chose derrière ce terme d'écho. Moi, je ne le connais pas, je vois bien ce que c'est que l'écho en général, mais ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et puis le terme de syncrétisme que vous avez utilisé, alors là, par contre, je vais être un peu plus interrogatif. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez utiliser? Alors, je comprends l'idée du dépassement et je la partage. Le fait de dépasser le grand partage, je partage cette idée. Mais je n'entends pas parler de travail politique ou je n'entends pas parler de dimension politique. Or, vous mobilisez une littérature que je connais un tout petit peu, celle de la socio-anthropologie du développement et de Sardan. Et il me semble qu'un des apports de tout ce travail-là, ça a été de mettre en avant le travail politique de sociétés considérées comme étant homogènes, communautaristes, où en fait les luttes d'intérêts contradictoires n'existaient pas. Or, ce que Sardan et son école de pensée, je ne sais pas si c'est une école d'ailleurs, mais son équipe de travail, sa trajectoire de recherche ont montré, c'est que finalement, le champ particulier dans lequel on est, mais peut-être pas trop vous, qui est l'aide au développement, se traduit par l'arrivée d'une ressource dans des structures sociales où il y a des intérêts contradictoires, se forment des groupes stratégiques qui vont retransformer cette ressource. Et effectivement, ce qui est transféré est différemment utilisé. Le top-down et le bottom-up, bon, on ne l'a plus, mais en tout cas, on l'a dans cette confrontation. Il se passe autre chose et utilise la notion d'arène. Est-ce que c'est tout ça qu'il y a derrière syncrétisme? Ou pas. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a du politique dans votre idée de syncrétisme ou pas? C'était la deuxième question. Et puis la troisième, on la pose à De Sardan quand on l'entend. Voilà, et en difficulté aussi, comme tous les chercheurs, c'est finalement la question de Lénine. Que faire? Que faire de cette connaissance anthropologique? Et la question va vous être posée très très vite. En tant qu'experte d'un terrain et d'un domaine, vous allez voir que les autorités, les institutions malgaches vont le faire, elles ont peut-être commencé. Elles vont vous demander que faire maintenant. Vous nous avez donné un autre sens de ce qu'est la santé. Moi, en tant qu'acteur, opérateur, qu'est-ce que je peux en faire de cette connaissance? Je ne vous demande pas de répondre à tout ça, mais c'est la richesse de votre proposition soulève toutes ces questions. Donc après, vous pouvez trier. J'avais promis qu'on je ne prendrais pas beaucoup de temps, évidemment, je n'ai pas tenu ma promesse. Mais c'est à vous maintenant de prendre peut-être... on va prendre une série de questions en même temps, comme ça, vous triez, vous répondez à ce que vous voulez et vous êtes tranquille. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, j'avais une question qui est peut-être un petit pas de côté. Je ne connais pas du tout le contexte malgache. Est-ce qu'il y a des situations où, parce que vous avez expliqué qu'en fait, donc ce centre de santé était géré par une sage-femme, est-ce qu'il y a des situations où des figures soit du ministère de la Santé, soit des médecins peut-être, ou de certains spécialistes qui arrivent du coup avec cette aura et peut-être cette charge politique s'il s'agit de représentants du ministère, interviennent? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça provoque peut-être au sein de ce village et au sein des enjeux que vous avez, des dynamiques que vous avez pu souligner? Merci. D'autres questions? Moi, je vais en rajouter une petite, parce qu'elle aime toujours dans la même veine, en fait. Vous avez travaillé sur quel terrain exactement? Depuis les centres de santé, ou en allant voir les patients, ou les patientes, en l'occurrence, directement chez elles? La question est importante, puisque en fait, le sens qui est donné au terme santé paraît totalement lié à la pratique du centre, hein,
Et finalement, à vous lire, on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas, d'abord, est-ce que c'est un terme utilisé en dehors de cette institution publique? Et est-ce qu'il y a des catégories endogènes de santé qui révèlent autre chose que toutes les catégories que vous avez mis en avant, c'est-à-dire la propreté, le fait d'être bien habillé, des choses que j'ai connues, hein, qui me paraissent pas totalement étrangères. Voilà. Oui, c'est peut-être juste une question de reformulation, parce que je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris, c'est un peu dans la continuité. Si la santé est définie à travers le fait d'être bien habillé, d'avoir les moyens de se nourrir, de se laver, etc., est-ce que c'est... et que du coup, ça induit des enjeux de pouvoir et de relations sociales entre les habitants, est-ce que c'est parce que la santé cette définition de la santé a été imposée comme telle par le personnel médical et du coup réappropriée par les habitants qui en ont fait un enjeu de pouvoir? Ou est-ce que c'est des choses qui étaient déjà... je ne sais pas en fait si vous avez la réponse, mais est-ce que c'est des choses qui étaient déjà des enjeux de pouvoir entre les habitants, le fait de bien se nourrir, bien s'habiller, etc., et qui en fait ont trouvé une nouvelle forme d'expression et une nouvelle publicisation dans le milieu médical? Du coup, je vais essayer de répondre. Il y a plusieurs questions qui vont se répondre en même temps. Je vais d'abord reposer du coup le contexte de mon parcours. Ce que je vous ai présenté ici, c'est surtout une recherche de mémoire, en fait. Étant donné que je sors de mon mémoire et je rentre en thèse maintenant, enfin j'ai un an de thèse derrière moi, mais de terrain. Donc, mon mémoire, c'est passer dans un centre de santé avec les patients. C'était ça le terrain exactement, parce que je rentrais via le biais de Pasteur. Donc là, on parlait de positionnalité tout ce matin, là c'était inévitable. Les milieux extra-institutionnels au niveau de la santé ne m'étaient absolument pas accessibles. Donc ça, c'est une recherche de 6 mois au niveau de mon mémoire de master. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait un gros 6 mois de thèse. Donc j'ai commencé là l'année dernière, je suis rentrée il y a quelques mois, je repars bientôt. Sur quoi est-ce que je travaille aujourd'hui, du coup? Et ça va répondre à une partie des questions. Aujourd'hui, je travaille justement à ce qui se passe au niveau extra-institutionnel. Qu'est-ce qui se passe en dehors des santé? Et on voit qu'il y a des enjeux avec ce que moi j'appelle le coutumier, parce que j'aime pas trop le mot traditionnel, parce que je trouve que ça fait un peu, ça met une temporalité et une catégorie que j'aime pas trop. Mais donc au niveau coutumier, il se passe beaucoup de choses. Mais aussi au niveau religieux. Donc là, j'ai fait 6 mois de terrain, je n'ai pas mis un seul pied dans une infrastructure biomédicale parce que mon objectif est vraiment d'aller voir au-delà. Donc cette thèse, elle est très... ce mémoire est hyper restreint vraiment sur l'institutionnel. Donc en fait, est-ce que la définition de la santé a été posée comme telle ou est-ce que c'est un enjeu de pouvoir qui trouve une nouvelle forme d'expression? C'est quelque chose qui guide ma thèse aujourd'hui et sur laquelle je n'ai pas encore de réponse en toute honnêteté intellectuelle. Alors, au niveau de la notion d'écho, moi j'utilise beaucoup l'écho parce que, dans le même sens que j'utilise la résonance ou la circulation. C'est-à-dire que l'imaginaire, donc ce que j'entends par imaginaire, c'est pas la rêverie, c'est tout ce qui construit la manière dont on envisage le politique, le culturel, la santé. Ce sont des choses qui se diffusent à l'intérieur des groupes et qui vont faire écho en fonction des différentes positions que chacun va avoir. Moi, j'utilise écho parce que justement, il y a ce truc de rebondissement. On passe de l'un à l'autre, et ça fait des tours et des tours et des tours jusqu'à ce que les concepts prennent des formes nouvelles. C'est pour ça que j'utilise écho. Syncrétisme, à revoir, c'est un mot qu'on aime beaucoup, les anthropologues. Mea culpa, je l'utilise à tort et à travers parce qu'on aime ça, le syncrétisme, on aime beaucoup parler de ça. Parce qu'on s'intéresse beaucoup originellement à ce qu'est la culture et comment elle se transforme. Le syncrétisme, c'est surtout voir comment deux cultures, deux modes de pensée se rencontrent et qu'est-ce qu'elles vont former ensuite. C'est ça le processus de syncrétisme. Au niveau de sa dimension politique, oui, il y a du politique dedans, c'est sûr, mais je cherche encore à découvrir comment, parce que je suis vraiment encore en plein parcours. Que faire de la connaissance anthropologique? Je rigolais avec ma collègue, je rigolais avec ma collègue Zoé en disant un burn-out, mais
C'est une vraie question, hein, parce que je travaille vraiment dans des milieux, aujourd'hui même pour ma thèse, je suis dans des milieux encore plus précaires que là où j'étais pour le mémoire. Donc c'est vraiment des populations en marge, même s'ils constituent 75% de la population malgache, ça reste de la grosse précarité. Donc que faire? Il y a déjà que faire avec mes acteurs, comment est-ce que je leur rends tout ce qu'ils me donnent? Enfin, je veux dire, je travaille avec des gens extrêmement pauvres, dans une misère très grande, et puis moi, je ressors de là avec un titre de docteur. Il y a quand même une grosse question éthique qui se pose. C'est la première que je vais me poser. Et puis après, je me poserai la question d'une bonne diffusion. Et finalement, oui, alors il y a des spécialistes, des chargés de politique qui interviennent. Généralement, ils arrivent dans des gros 4x4, en costume, avec vraiment une symbolique très très forte de hiérarchie. Ils vont représenter la politique, ils vont représenter l'État, ils vont être généralement très mal reçus. Ils vont être extrêmement mal reçus par la population, parce qu'aujourd'hui, bon, peut-être Zoé en parlera mieux, il y a quand même une grosse défiance de la population malgache par rapport aux politiques, qui sont vus comme corrompus, comme moralement, j'ai envie de dire malfaiteurs, mais tu me corrigeras, parce que Zoé, du coup, est en Sciences Po et connaît ça beaucoup mieux que moi. Ça provoque généralement énormément de tensions et de crispations. Mais voilà, comme je vous dis, je suis vraiment encore en plein parcours et donc j'ai vraiment pas encore toutes les réponses, mais c'est super intéressant. Donc merci à tous, ça m'aide à avancer. Oui, en fait, la deuxième présentation, c'est toi, Zoé. Alors, on reste à Madagascar, c'est ça? Ouais. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci. Oh, ça marche. Ouais. Merci pour cette invitation du coup à discuter du développement vu par les marges. Pour ma part, moi, je vais discuter de cette question à partir du modèle de l'entreprise sociale. Donc, c'est un modèle qui devenu assez à la mode au sein des arènes internationales du développement, mais aussi dans les espaces états-uniens français. Je sors d'une thèse que j'ai soutenue récemment en juin dernier, dans laquelle j'interrogeais en fait les effets sociopolitiques de ce type de dispositif, donc dans le contexte de Madagascar et en particulier de sa capitale Antananarivo. Alors, quelques mots sur cet objet de l'entreprise sociale et ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui. En fait, l'intérêt de questionner cet objet, elle vient à la base d'une interrogation que je me posais au début de ma thèse, face en fait à la promotion de la réconciliation, donc lier le capitalisme. C'est une idée en fait qui est capitalisme social ou capitalisme inclusif qui circule énormément au sein des rapports institutionnels des Nations Unies, des institutions financières internationales, etc. etc. Dessus. De nombreux auteurs qui... On n'entend pas bien. On entend bien. Voilà. Il y a de nombreux auteurs en fait qui parlent de cette question-là et notamment comment est-ce qu'elle a participé à légitimer en fait la reconnaissance des entreprises comme acteurs du développement. Moi en fait ce que je me demandais simplement comme question au début c'était comment est-ce qu'une entreprise pouvait être sociale et quelle forme ça pouvait prendre. En fait, à Madagascar, comme officiel, qui circule dans les arènes officielles, qui promeuvent en fait ce type de dispositif d'entreprise sociale, qui vient symboliser en fait cette réconciliation entre capitalisme et lutte contre la pauvreté. Et dans cette présentation, en fait, je vais revenir sur la manière dont ce type de dispositif est vu par les subalternes. Donc, j'entends par subalterne, en fait, c'est un terme que j'emprunte aux subalternes studies. J'entends par là celles et ceux qui se trouvent à la marge, en fait, à la marge, pardon, de ce type de processus. Et ce qui m'intéresse de vous partager aujourd'hui, en fait, c'est comment, en fait, la prise en compte de leur point de vue a eu des effets sur d'un point de vue épistémologique, donc c'est-à-dire comment est-ce que ça m'a permis de faire évoluer mon propre regard sur cet objet en me posant deux types de questions, celle
de l'articulation entre politique de développement et dynamique capitaliste. Et puis, une deuxième question sur les rapports postcoloniaux en fait, qui se construisent au sein de ce dispositif. Le deuxième effet, c'est l'effet sur le cadre théorique. En fait, comment est-ce que finalement la prise en compte du point de vue des subalternes m'a amené à me rapprocher en fait des théories de la dépendance et notamment de la notion de système monde. Alors, je vais d'abord rapidement revenir sur le cas d'étude qui a été le mien et sur les matériaux sur lesquels je vais me baser dans cette présentation avant de rentrer davantage dans le vif du sujet par la présentation du coup des apports méthodologiques, épistémologiques et théoriques qu'ont représenté pour moi dans ma recherche la prise en compte du point de vue des subalternes. Alors, pour vous présenter mon cas, en fait, j'ai travaillé sur deux cas d'études pendant mes terrains, et en fait, il n'y en a finalement qu'un seul qui apparaît, que je développe en fait réellement dans ma thèse, c'est le cas du programme SACAF, qui s'est progressivement transformé en entreprise que j'ai appelé. Que tous les noms que j'ai pu anonymiser sont. Quelques noms qui sont ceux des acteurs en fait, qui me permettent de vous fournir en fait, des repères indispensables pour situer le cas dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Alors, le programme SACAF, c'est un programme alimentaire qui a été mis en place à Madagascar en 1994 à l'initiative d'une ONG française, de l'IRD et de l'entreprise Sanofi. C'est un programme qui a progressivement intégré des outils commerciaux de façon à développer un dispositif de vente pour vendre un produit nutritionnel. Et l'idée, en fait, du point de vue de l'ONG, en tout cas, c'était d'autonomiser financièrement ce programme de façon à permettre sa pérennisation malgré le manque de subventions. Ces transformations, elles ont été permises par des partenariats avec plusieurs entreprises, et notamment Danone, entre 2006 et 2008. Et elle a abouti à sa transformation en entreprise en 2013, qui se traduit par l'adoption d'un statut juridique d'entreprise de droit malgache et par la création d'un actionnariat dans lequel on retrouve des acteurs variés, des acteurs financiers, des entreprises et l'ONG qui a initié ce programme en 1994. Alors, pour étudier la sociogénèse de cette entreprise et les effets sociopolitiques de ce dispositif, j'ai enquêté à différents niveaux. Non seulement au niveau des acteurs institutionnels que je viens de mentionner, que j'ai rassemblés dans la catégorie de coopération financiarisée, mais aussi à l'échelle des vendeuses avec lesquelles je me suis entretenue et avec qui j'ai fait des observations participantes, tout simplement en fait, parce que j'ai pas vendu moi-même le produit, donc enfin des observations. Et en fait, voilà, c'est tout l'objet de cette présentation, mais c'est comme ça que j'en suis venue en fait à aller rechercher dans les archives et dans les travaux des historiens comment est-ce qu'il y a un lien en fait avec la colonisation française. Alors, je vais revenir ici plus précisément sur ma démarche d'enquête auprès du personnel de vente. Donc, c'est un personnel qui est composé majoritairement des femmes issues des quartiers populaires de la capitale. Donc, moi, j'ai enquêté particulièrement à 67 hectares, qui est un quartier, du coup, en contrebas de la ville. Je me suis appuyée sur des méthodes d'ethnographie en entreprise et j'ai procédé à un travail réflexif qui m'a permis de situer socialement ma position dominante au sein des maillons hiérarchiques de cette entreprise. Ce travail réflexif, il a été réalisé largement au travers des interactions que j'avais avec les vendeuses de cette entreprise qui m'ont amené à prendre en compte mon statut d'observatrice observée et à objectiver ma nationalité française et sa signification dans le contexte que j'étudie. Mes observations à l'échelle des vendeuses, elles se sont effectuées sur les lieux de vente de cette entreprise. Donc, c'est les hôtels Lisa Zakel que vous voyez apparaître sur la photo de droite.
Ce sont des petits restaurants qui se situent dans les rues ou sur les places de marché. Donc, sur la photo, on se situe sur le marché d'Amboudini-Souch. C'est un marché de textile du coup, qui se trouve dans le quartier de 67 hectares. Et ce sont dans ces lieux, c'est dans ces petits restaurants en fait, que les vendeuses préparent les bouillies nutritionnelles avant de partir pour leur tournée de vente qui se déroule le matin et l'après-midi auprès des commerçants de ce marché ou dans des démarches de porte à porte en fait, auprès des habitants et des habitantes du quartier. Et donc c'est en interrogeant les vendeuses et les clients et les clientes de cette entreprise que j'en suis venue en fait à je vais plutôt d'abord en fait au contact des vendeuses le terme de vaza revenait souvent il était là pour me signifier quelque chose. Alors, je vais vous donner un exemple pour commencer. Un jour, à la fin d'une tournée de vente, Aïna, donc c'est un nom que j'ai anonymisé, qui est une employée de l'entreprise, elle me dit « Maintenant, vous connaissez très bien les couloirs et vous savez si je suis paresseuse ou pas. Je comprends en fait que ma présence suscite une crainte, celle d'être dénoncée comme non productive auprès de l'entreprise, d'être jugée ou voire sanctionnée. » Et c'est en prenant en compte en fait ce type de malaise qui se dégageait de la relation d'enquête que j'ai progressivement compris que les seules personnes françaises qui étaient acceptées, autorisées dans l'entreprise, c'était les évaluateurs et les évaluatrices qui venaient évaluer les performances sociales et économiques de cette entreprise et donc le travail quotidien de ces vendeuses. Et donc, en tant que personne blanche et française, j'étais donc associée à ces évaluateurs et ces évaluatrices. Pardon. Et donc, ce type de réaction, elle vient dire quelque chose de plus général que le rapport d'enquête qui me reliait à cette personne. Elle disait quelque chose des rapports qu'entretiennent cette vendeuse à l'entreprise. Et quant à Aïna, elle me dit « Vous savez si je suis paresseuse ou non ?» Elle ne s'adresse pas seulement à moi, elle s'adresse à la personne blanche et française que je suis. Et ces mots viennent rappeler la place qu'ont occupée et qu'occupent encore les Français et les Françaises dans le jugement du travail bien fait, ici par la réactivation d'une grille raciale qui s'exprime par le stigmate de la paresse. Finalement, j'ai dit très peu de choses sur ce terme de vaza qui, en fait, était utilisé très, très régulièrement dans ces quartiers, que ce soit par les clients, les habitants, les vendeuses, peut-être un peu moins directement. Mais c'est aussi un terme, finalement, une catégorie sociale et raciale qui vient désigner en fait la population blanche qui a imposé une domination sur le territoire malgache et qui en fait souvent parfois en fait était explicitement reliée à cette histoire coloniale, c'est-à-dire que parfois on m'interpellait et Vaza, où est-ce qu'ils sont les cadeaux? Donc ça vient en fait dire quelque chose des promesses qui n'ont pas été tenues par les Français pendant la période coloniale. Alors j'en viens maintenant à l'impact que ce type d'interaction a eu sur le choix de mon cadre théorique. Parce qu'au fur et à mesure que je progressais dans ma démarche d'enquête, j'ai en fait opéré un déplacement du regard sur la réalité sociale observée. Je partais d'une approche en termes de politique publique, donc moi je me situe en sciences politiques, et en fait je me posais la question de la manière dont les acteurs problématisent le réel en termes de pauvreté et d'exclusion, et comment finalement cette problématisation les amenait à trouver une solution dans la promotion du capitalisme social. Selon ces acteurs, les pauvres étaient exclus, il fallait donc les inclure dans les dynamiques capitalistes afin de leur permettre de bénéficier de ces bienfaits. Dans la lignée d'autres travaux, je me demandais dans quelle mesure les politiques menées participent à la construction de l'État malgache. Je me suis cependant vite rendu compte qu'aucun outil n'existait dans ce cadre théorique pour analyser les dynamiques capitalistes qui apparaissaient pourtant sur mon terrain, c'est-à-dire des outils qui me permettent de rendre compte de manière explicite des logiques d'accumulation qui étaient menées par les entreprises Sanofi, Danone, mais aussi TAF, une entreprise l'entreprise qui produit le produit nutritionnel.
que ces logiques aboutissent ou non d'ailleurs. L'idée de réconciliation entre capitalisme et pauvreté et lutte contre la pauvreté me laissait également perplexe. Je trouvais insuffisante l'idée d'étudier la manière dont les idées circulent, puisque les tensions que j'observais sur le terrain semblaient plutôt liées à la manière dont le capital était redistribué au sein de cette entreprise. Les interpellations des vendeuses m'interrogeaient. Que signifiait l'inclusion des pauvres dans le capitalisme, si ce n'est des formes de mise au travail qui illustraient le travail de vente de ces femmes ? Pour appréhender ces problèmes, l'approche en termes de système-monde a l'avantage de penser ensemble les dynamiques capitalistes et les rapports postcoloniaux, deux phénomènes qui sont parfois synthétisés dans le terme d'impérialisme. Ce cadre est né au moment des indépendances pour questionner le processus de décolonisation à l'œuvre et penser les potentielles formes de mise en dépendance qui se reproduisent en situation postcoloniale. Alors que l'approche en termes de politique publique semblait considérer la présence des acteurs internationaux comme allant de soi, l'approche en termes de système-monde m'a permis de dénaturaliser la forte présence étrangère dans ces contextes et de mettre au cœur de ma question le fait que l'entreprise étudiée soit majoritairement détenue par des capitaux français. En étudiant les formes de division transnationale du travail, cette approche me permet de renverser les perspectives en considérant les activités de promotion du capitalisme social comme une activité qui s'encastre dans la longue chaîne de production de cette entreprise et qui peut être conçue comme le produit d'un travail publicitaire. Cette approche me permet d'analyser les dynamiques d'inclusion à travers la question du travail, comme je l'ai mentionné juste avant. Et ensuite, le matériau que j'ai récolté auprès du personnel de vente et puis la prise en compte des constats empiriques qui ont été établis par les études sur les subalternes m'a permis d'enrichir ce cadre théorique et de poursuivre le projet de sociologiser la notion de système monde. Alors je dis sociologiser cette notion parce que elle a été avant tout construite par des économistes, et donc il y avait une des principales critiques qui a été adressée à ces théories, c'était d'adopter une approche trop mécanique de ce type de situation. Au contraire, moi je privilégiais une approche à micro échelle, donc là je me base sur le travail notamment de, je ne connais plus son nom, mais Trémont, mais en tout cas qui essaye de questionner comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion-là à micro-échelle et qui ne sous-estime pas finalement les cosmologies locales. Donc là, c'est un terme de Salins. La part aussi d'autonomie des subalternes et leur potentiel contestataire. Je m'appuie aussi également sur les outils de la sociologie du travail pour rendre compte de la complexité des rapports au travail qui se construisent à plusieurs niveaux de cette entreprise. Avec le temps qu'il me reste, je termine cette présentation en vous communiquant quelques-uns de mes principaux résultats. Donc, cette thèse, elle me permet de répondre à la question générale de comment tiennent des rapports de domination malgré leur extrême fragilité. La prise en compte du point de vue des subalternes m'a permis de délimiter la croyance partagée, donc c'est une expression de Gilbert Rist, dans la pensée développementaliste à une poignée d'individus socialement privilégiés qui se situent parmi les acteurs institutionnels. Les vendeuses, elles, questionnent et contestent quotidiennement le récit autour de l'entreprise sociale. Dans l'entre-soi malgache, elles contestent le caractère à moitié social de l'entreprise en rappelant que le produit est payant, que le produit nutritionnel est payant, et en contestant sur leurs conditions de travail qui leur causent des mal de dos, des mal de dents, à force de porter le produit dans des seaux de 5 kilos. Pour autant, elles sont objectivement intégrées dans cette division transnationale du travail. Elles participent à alimenter quotidiennement ce récit en atteignant leur quota de vente, qui se traduit en chiffres dans les rapports des bailleurs, qui sera montré comme une preuve du succès de cette entreprise. C'est grâce à leur travail que les actionnaires pourront dire qu'ils ont participé à la lutte contre la malnutrition en vendant telle quantité de repas aux populations malnutries. Le travail de ces vendeuses s'inscrit la plupart du temps dans des logiques de subsistance sans s'y limiter pour autant. Ces logiques s'expliquent par la forte précarisation des ménages et la baisse drastique de leur pouvoir d'achat suite aux politiques d'ajustement aux politiques d'ajustement structurel des années 90 qui ont vraiment eu des effets très très flagrants sur il y a des travaux des économistes notamment de l'Institut de recherche pour le développement qui le montrent très bien.
Mais elles trouvent aussi leur motivation dans des espaces sociaux extérieurs au travail, notamment l'idée, par exemple, de donner un avenir à leurs enfants, remplir leurs obligations vis-à-vis de leur famille ou du cercle social qu'elles entretiennent dans leur quartier. Et ce sont des motivations en fait, qui sont très liées aux dynamiques statutaires qui sont très importantes dans le contexte de Madagascar et en particulier de l'espace de la région de Limerne et d'Antananarive. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. En fait, à chaque fois que je t'écoute, on se tutoie, hein, à chaque fois que je t'écoute, je suis séduit par en fait, ta volonté et puis finalement l'objectif atteint, hein, de vouloir aller du terrain jusqu'à la théorie générale. C'est le sentiment qu'on a en lisant. Donc, d'abord, c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est bien documenté. On est en fin de thèse, hein, une thèse soutenue. Donc voilà, là, c'est un extrait de tout ce que ça peut donner. Alors, ça fait beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est vertigineux. Et je vais revenir sur certaines choses, une chose en particulier. Mais je trouve que tu l'as peut-être mieux restitué oralement que j'avais cru le comprendre dans le texte. Mais je voudrais bien être sûr de comprendre à quoi te sert la mobilisation du système monde dans ton approche. On est au départ convaincu par tous les autres thèmes que tu abordes et qui sont nombreux. Hein. J'avais commencé à faire une liste: politique de développement, rapport capitaliste, rapport colonial, pauvreté, la question de la constitution de l'État. Enfin, ça fait énormément de choses à partir d'un terrain, là, pour ce que tu nous présentes, extrêmement micro. Donc la première question, c'est ça. C'est finalement, dans tout ce montage-là, qui encore une fois se tient, est extrêmement bien référencé et convaincant à la lecture et à l'écoute, est-ce que tu peux repréciser à quoi te sert le système monde? Je le dis autrement, si tu l'enlèves, qu'est-ce qui se passe dans ton raisonnement? Qu'est-ce que tu ne comprends pas et qu'est-ce que tu n'arrives pas à restituer dans les connaissances produites? Voilà. Ça, c'était la première chose. Je voudrais savoir si l'entreprise aussi dont tu parles et dont je rappelle... Alors, je suis concerné à titre individuel, puisqu'il y a mon institut qui est partie prenante de cette entreprise et qui a peut-être mis des fonds au départ. Non, mais au tout départ, c'est quand même un produit d'un rapport international très spécifique dans le capitalisme, qui n'est pas petit, hein, qui est fort. Mais ce n'est pas un rapport colonial au départ. C'est un rapport de coopération qui se traduit par un flux nouveau qui apparaît dans les années 50, qui est le rapport d'aide. Et tu n'en parles pas, en fait. On est dans du développement aidé. Cette entreprise, c'est d'abord une production de ce que j'ai appelé ce matin l'industrie de l'aide. Et en fait, alors dans la thèse, c'est sans doute présent ou peut-être présent, mais je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir t'écouter au moment de la soutenance, ni de la lire encore, mais je vais le faire. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de singulier qui est intéressant en soi, sans avoir à ramener cette catégorie du capitalisme, donc c'est un peu la même question que le système monde, hein. Si tu parles plus de capitalisme, qu'est-ce que tu ne comprends pas et qu'est-ce que tu ne peux pas nous expliquer? Voilà, c'est la même, mais avec une autre entrée. Une autre façon de poser la même question, est-ce que les acteurs fondateurs de cette entreprise, est-ce que cette entreprise-là, je dirais la configuration malgache? Je ne parle pas des rapports institutionnels qui te servent à justifier l'utilisation du terme, et à juste titre, hein, c'est parfaitement fondé, capitalisme social, le bottom of the pyramid, etc. Tout ça est une grammaire qu'on connaît très très bien de mobilisation, de justification, d'intégration en fait, entre des intérêts économiques et puis une action sociale qui relève de l'aide. C'est ce que j'ai trouvé qui manquait un peu. Mais sur le terrain, est-ce que les gens parlent de capitalisme? Est-ce que cette catégorie est utilisée à la fois les fondateurs et aujourd'hui? Alors Danone peut-être. Et dernière question, j'ai encore plusieurs choses, mais je vais m'arrêter. Quel est le rôle exact de Danone précisément aujourd'hui? Est-ce qu'en gros, c'est une action qui relève de sa RSE?
donc en gros le supplément d'âme sociale de l'entreprise dont la stratégie est ailleurs, et auquel cas, comment capter et analyser ce capitalisme internationalisé ou transnational dont tu parles à travers une action qui est une action extrêmement marginale, du coup. Hein. Donc là, c'est le fond de notre débat, comment on saisit le cœur ou le centre à travers les marges. Merci beaucoup, en tout cas. Passionnant. Et les questions, évidemment. Ou je ne sais pas, tu réponds tout de suite ou... En fait, comme vous voulez. On aura un deuxième tour, en fait, là, déjà avec M. Pufto, et puis on revient au public. On m'entend pas ? On revient au public après ta réponse. Voilà. Alors, donc il y a beaucoup de questions. Hein. Je vais pas avoir le temps de tout développer parce que, mais il y a énormément de choses qui sont hyper intéressantes. Alors, je vais laisser la notion de système monde à la fin en espérant que le reste des questions valident la notion. Le rapport colonial et l'aide. Alors c'est vrai que dans la présentation ça apparaît moins que dans la thèse, mais je me base en fait sur tout un tas de travaux d'historiens mais aussi de sciences politiques, de politistes, notamment celui de Julien Mémon qui retrace la trajectoire du ministère de la coopération, enfin vraiment hyper intéressant comme travail, qui montre comment est-ce qu'il y a une entreprise de requalification de l'imaginaire colonial en coopération et que malgré tout, enfin en tout cas du point de vue des malgaches, hein, rien ne change. Rien ne change vraiment. D'où 1972, explosion, mobilisation populaire, instauration d'un régime socialiste, expulsion des Français, renégociation des accords de coopération. Julien Mémon montre notamment que structurellement, le ministère de la coopération est faible, sans budget. Et en fait, c'est ça que j'interroge, c'est comment est-ce que des acteurs qui sont... moi, je ne suis pas en train de juger des positions des uns et des autres, je regarde comment est-ce qu'ils cherchent à fonctionner. Et les acteurs de la coopération, moi j'utilise ce terme dans l'idée de montrer quand même aussi voilà, les prolongements avec cette histoire. Comment est-ce que ces acteurs-là cherchent à fonctionner malgré en fait, un manque chronique structurelle de budget, de légitimité, parce que en fait, les liens avec le néocolonial sont présents tout le temps. Il y a eu en fait, des débats hein, hyper importants dans les années 80, et depuis, c'est devenu quand même un gros tabou. Si on parle d'humanitaire, par exemple, c'était aussi une stratégie pour dire on n'est pas du tout politique. Voilà, il y a énormément de stratégies qui sont faites pour effacer les liens avec l'histoire. Et donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'y aller, justement. Donc l'aide, elle est là, mais elle est très peu puissante. Et donc, elle ne peut fonctionner qu'avec les entreprises. Structurellement, ça a toujours été comme ça dans l'histoire, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Danone est là, Sanofi est là dès le début. C'est Sanofi, le premier acteur, en fait, à mettre en place ce programme. C'est une salariée de Sanofi qui a envie d'y aller, et qui contacte un membre de l'IRD, qui contacte ensuite l'ONG, etc. Et c'est comme ça que ça se met... moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir aussi comment est-ce que le capitalisme, c'est pas justement seulement les secteurs miniers, en fait, c'est aussi dans des activités qui se revendiquent comme sociales. Je trouve que c'est justement hyper intéressant d'aller voir, en fait, comment est-ce que, en fait, il y a des stratégies d'accumulation qui sont mises en place par Sanofi et par Danone. Alors, Sanofi moins, mais Danone, c'est assez clair. J'ai été interrogée des ex-stagiaires qui ont participé à ce programme entre 2006 et 2008. Danone voulait rentrer dans le capital de cette entreprise. C'est l'UNICEF qui l'expulse. Donc, il y avait une claire volonté d'y aller. Et puis, à côté de ça, ils ont fait des études de marché hyper importantes. Ils ont amassé énormément de savoir qui leur ont permis de développer leur marché au Maroc, ailleurs, en fait. J'essaye aussi de sortir d'une vision qui soit strictement centrée sur Madagascar pour essayer de comprendre de manière générale le type de stratégie que peut avoir... Et puis c'est des motivations pour les salariés, ça c'est des choses qui sont bien connues aussi. Comment est-ce que les activités sociales, la RSE, etc., ça permet de motiver... Alors la salariée de Sanofi, par exemple, elle est sur ce programme à mi-temps. Et puis, à côté de ça, elle est responsable d'une dizaine de fusions-acquisitions en Chine.
Donc il y a vraiment en fait un lien hyper fort pour moi entre eux, et elle, elle fait les deux, enfin elle trouve que c'est passionnant de faire les deux. Donc il n'y a pas de, de tension. Alors voilà pourquoi je parle de capitalisme. Parce que en fait c'est enfin voilà, y a, et puis alors les, est-ce que les malgaches, est-ce qu'ils en parlent eux-mêmes? Bah, ils me parlent de productivité, ils me parlent de souffrance au travail, ils me parlent de d'injonction à la rentabilité. Ils font des comparaisons avec les zones franches, alors une, dans une entreprise qui se revendique comme sociale. Voilà, donc il y a beaucoup de choses en fait qui viennent quand même questionner les fondements du capitalisme qui repose sur le travail. Voir la main d'œuvre mal rémunérée, c'est des femmes qui sont extrêmement mal payées. Enfin, il y a un turnover de 200% dans cette entreprise. Structurellement, 200%, c'est-à-dire que sur plusieurs années, il y a plus de femmes. Donc sur plusieurs années, c'est un turnover de 200%. Donc ça veut dire qu'en fait, sur une année, il y a deux fois plus de personnes qui partent de l'entreprise que de personnes qui rentrent. Donc on ne veut pas rester plus de 6 mois dans cette entreprise parce que les conditions de travail sont vraiment exécrables et que le travail physique est vraiment trop, trop difficile. Mais pourtant, ça dure, ça fonctionne parce qu'il y a une précarité et une précarisation de plus en plus accentuée. On l'a vu aussi avec Élise. Qui fait que en fait les gens n'ont pas le choix. Alors je sais pas, je suis presque tentée de parler de réserve de main d'œuvre. Hein. Voilà, c'est ça, de ça qu'il s'agit. Alors voilà, la notion de système monde pour moi, elle permet quand même de venir. Moi en tout cas, elle m'a permis de valider ce changement de regard. Donc je parlais d'épistémologie, c'est-à-dire que j'ai changé de cadre théorique. Donc j'ai justement laissé de côté la question de la construction de l'État qui était propre aux politiques publiques, etc. Ça, je l'ai laissé de côté et ça m'a permis en fait de voir les choses autrement, sous un autre angle. Et je pense qu'un cadre théorique, ça vient aussi valider en fait un regard et donner ensuite des outils. Alors moi, je trouve que le système monde, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais n'empêche que du point de vue épistémologique, ce que permet de ce sur quoi ce cadre met l'accent, c'est-à-dire les rapports postcoloniaux, les dynamiques capitalistes, je n'ai vu aucun autre cadre théorique mettre l'accent sur ces points-là. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question peut-être un peu en prolongement ou un peu de côté aussi. Est-ce que dans vos recherches, vous avez pu travailler aussi sur la façon dont ces femmes avec qui vous avez pu travailler peuvent développer des pratiques de contournement ou de subversion en fait de ces dynamiques-là, vis-à-vis desquelles elles sont tout à fait, elles sont assez conscientes et elles sont capables de porter un jugement en fait. Donc comment est-ce que justement elles interagissent avec ces dynamiques-là? Merci. D'autres questions? Et je crois que tu l'as travaillé sur un autre papier que j'ai lu sur le salariat où tu es allé plus loin. Et je crois que c'est central en fait dans ce que tu nous présentes. Tout ce que tu viens de dire là sur l'armée de réserve, c'est clair. Et en même temps, il y a un grand débat au sein des écoles marxiennes ou marxistes. Est-ce que le salariat est un mode historique d'extraction en fait, de la marchandisation qui est inscrit dans le rapport capitaliste, qui est même au cœur, le rapport salarial, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'institution de ce rapport de domination et d'exploitation, pour reprendre l'expression de Marx. Il me semble que tu touches du doigt ça sur la situation en fait, concrète des travailleuses que tu as suivi. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Non, pas plus. Est-ce que je peux poser une mini-question ou pas? Du coup, je pars dans le micro, mais tu es à côté de moi, mais comme ça, tout le monde entend. Je voulais savoir, parce que du coup, vous demandiez s'il parlait de capitalisme. Alors moi, en milieu rural, on me dit toujours, c'est le Fiavana contre le Mividi, c'est le Fiavana, comment traduire, le Fiavana, c'est l'entraide, voilà.
c'est l'entraide contre la vente. On passe de l'entraide à la vente. Et donc, ils appellent ce que nous, on appelle le capitalisme, ils appellent ça le Mividi. Et ils disent toujours, c'est le Fiavana contre le Mividi. Et je me demandais si tu avais retrouvé ce discours dans tes recherches de terrain. Voilà. Bon, merci pour ces questions. Alors, pour reprendre dans l'ordre... moi, j'avais vraiment une relation très particulière avec les vendeuses. Hein. Enfin, je l'ai dit un petit peu dans ma présentation. Je suis blanche, je suis française. Je représente clairement le pouvoir dans cette entreprise. Donc, je suscitais vraiment la peur. Et vraiment, c'était très désagréable, les entretiens que j'ai passés avec ces vendeuses. Enfin, je pense les vendeuses et moi avons un très mauvais souvenir des moments passés ensemble. Voilà, donc en fait, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que cet entre-soi malgache que j'essaye quand même de toucher, eh ben, malgré tout, j'y ai quand même peu eu accès. Alors, les femmes, les vendeuses me disaient parfois que, voilà, par exemple, elles ne répondaient pas aux appels téléphoniques parce qu'elles doivent rendre leur quota de vente à la fin de la journée, et donc quand on les appelle pour qu'elles rendent leur quota, parfois elles décident de pas répondre. Elles essayent de... moi je les ai vues courir toute la journée pour atteindre ce quota, enfin c'est leur survie quotidienne aussi et celle de leurs enfants. Il y a des mères célibataires, c'est celles qui se battent le plus pour obtenir leur revenu à la fin de la journée. S'il y a un turnover aussi important, c'est parce que les femmes s'endettent auprès de l'entreprise en gardant le revenu de la vente. Et donc, au fur et à mesure, elles gardent le revenu et elles finissent par partir. Donc, moi, je dirais, c'est ce que je conclue en tout cas dans ma thèse, c'est que l'exit est le principal moyen de dire que ça ne va pas. Voilà. Il faudrait vraiment que je creuse et ça serait intéressant qu'on poursuive cette discussion là sur la réserve de main d'œuvre, parce que moi franchement c'est quand même des cadres théoriques qu'on n'utilise plus beaucoup, hein, donc j'ai mis un peu de temps à et puis c'est voilà, donc je dirais pas que je suis une spécialiste du marxisme, mais enfin ça m'a beaucoup interpellée et j'aimerais bien creuser et puis sociologiser aussi vraiment, parce que je trouve qu'il y a quand même un manque à ce niveau-là, mais ça m'intéresse qu'on continue à discuter. Voilà, et ensuite, pour finir sur la question du Fiavana, c'était... Alors, je pense que la question, elle se pose différemment en ville qu'en milieu rural. Et j'ai jamais entendu le terme pour capitalisme, donc je veux bien que tu me le repasses après. Mais du coup, le moment où, en fait, j'entendais ce terme d'entraide, en fait, cette question d'entraide qui était tout le temps, en fait... Finalement, remis en cause par les injonctions faites par l'entreprise, il y avait par exemple une salariée qui, dans le fonctionnement dans l'entreprise, je ne peux pas là dans le temps imparti revenir sur les détails, mais cette salariée était en charge de plusieurs autres vendeuses qui n'étaient pas déclarées et elle essayait d'entretenir des relations d'entraide avec elle. Mais en fait, ces vendeuses, elles partent. Tu vois, elle ne reste pas plus de 6 mois. Donc, c'est des relations qui, à chaque fois, étaient remises en cause. Et elle se fatiguait énormément à essayer d'aller aux cérémonies d'une collègue à elle, tu vois, d'essayer de participer à la vie familiale, sociale à côté. Mais c'était des relations qui étaient toujours interrompues par le fait que les vendeuses partent. Donc bonjour à tous, je suis Marguerite Maclouf, je suis en deuxième année de thèse en anthropologie au centre Maurice Albax. Donc je vais présenter l'ethnographie que j'ai menée sur les conflits autour de l'eau qui sont apparus entre les producteurs de fruits rouges de la zone du parc national de Doñana dans la province de Huelva en Andalousie à la suite des nouvelles régulations régionales des usages de l'eau. Je vais donc me focaliser sur la manière dont les politiques de développement font naître de nouveaux modèles de réussite qui transforment les relations entre les personnes et leurs espaces.
Pour commencer, je vais présenter rapidement le contexte et l'histoire de ces conflits, puis je vais exposer les conséquences locales de ces régulations sur les relations entre les agriculteurs d'Almonte, mais aussi sur leurs relations avec l'espace de Doñana. Pour terminer, j'analyserai le lien entre ces conflits et l'identification collective à la culture des fruits rouges comme forme de vie. Donc, j'ai commencé mon travail de thèse en anthropologie en octobre 2021 et j'ai réalisé 6 mois d'ethnographie dans la ville d'Almonte qui fait partie de la division administrative de la comarque d'El Condado qui est située au sud-est de la province andalouse de Huelva. C'est la localité qui possède le plus de surface à l'intérieur du parc de Doñana, donc on voit sur la carte, qui est la partie verte sur la carte. Donc à Almonte, la culture des fruits rouges sous serre a transformé le paysage et l'économie. C'est bon ? Ouais. Qui était essentiellement composée de cultures sèches, donc de vignes et d'oliviers. La culture de la fraise a été initiée à partir des années 1970, donc principalement sous l'impulsion de l'implantation du plan Almonte Marismas, qui fut mis en place en 1971 par l'État espagnol en collaboration avec la FAO. Donc ce plan repose sur un classement du territoire comme zone d'intérêt national et avait pour but de transformer 25 000 hectares de marais et de sols sablonneux en sols agricoles irrigués. Donc l'objectif était de faire émerger un nouveau modèle de développement économique fondé sur l'agriculture irriguée qui promettait d'importants bénéfices sur le marché international. Ce développement devait donc se faire par la répartition de parcelles agricoles transformées entre les travailleurs pauvres de la ville d'Almonte qui ne possédaient pas de terres ou seulement quelques hectares de vignes. Donc un peu plus tard, à partir des années 1980, on a un deuxième mouvement de transformation puisque l'Espagne rentre dans la communauté européenne et la communauté européenne qui souhaite réguler la production européenne de vin donne d'importantes subventions pour l'arrachage des vignes. Donc cela a encouragé l'immense majorité des petits cultivateurs de vignes qui n'avaient pas bénéficié du plan Almonte Marismas en premier lieu à suivre ce nouveau modèle de culture irriguée et à arracher leurs vignes pour planter des fraises. Comme me le dit l'un de mes interlocuteurs, les subventions européennes ont rendu les cultivateurs fous. Donc là, j'ai mis 2 cartographies. Donc on voit en fait sur la zone du plan Almonte Marismas, qui est donc le plan mené en collaboration avec la FAO, on voit que c'est des carrés très symétriques, homogènes, puisque c'est typique d'un plan d'aménagement du territoire. Et c'était des parcelles de 25 hectares qui ont été distribuées aux travailleurs. Sur la deuxième cartographie, qui est en fait la zone des terres publiques, puisqu'en fait c'est la principale forme de propriété à Almonte, c'est-à-dire que les cultivateurs de vignes n'étaient pas propriétaires de leurs terres, mais avaient seulement des concessions par la mairie. Et là, on voit donc à droite que c'est des petits carrés, et tous les petits carrés, ça représente les serres, et c'est installé de manière beaucoup plus disparate, beaucoup moins homogène, puisque ça a été fait à l'initiative privée des cultivateurs de vignes, qui ont donc arraché directement leurs vignes et qui ont replanté directement des fraises sous serre. Donc cette nouvelle agriculture dépend de l'eau souterraine qui est contenue dans l'aquifère, qui est extraite grâce à un système de perforation des sols et d'installation de puits. Donc peu après le début de cette culture de fruits rouges dans la zone, de nombreuses études scientifiques montrent que le niveau de l'aquifère de la zone de Doñana est en train de baisser durablement et que, la progressive diminution du volume de pluie annuel ne permettra donc finalement pas la recharge hydrique qui avait été initialement envisagée par les ingénieurs de la FAO, qui étaient ceux qui avaient réalisé l'ensemble des études prévisionnelles. Donc, face à la baisse du niveau de l'aquifère, en 2004, le gouvernement andalou décide de prendre des mesures et demande l'élaboration d'un plan spécial d'organisation du territoire, des territoires sur lesquels se trouvent ces cultures irriguées. Ce plan concerne donc les 5 localités de la comarque d'El Condado de Huelva qui sont localisées au nord de la couronne nord forestière du parc de Doñana qui se trouve donc être la zone la plus sensible écologiquement et dans ces 5 localités se trouve la ville d'Almonte. Ce plan, qui est aussi appelé le plan de la fraise, commence à être écrit en 2007 et a pour objectif de réduire la pression sur l'aquifère en réalisant une cartographie fixe de l'ensemble des hectares qui peuvent être irrigués. Il exclut donc de sa cartographie l'ensemble des hectares dont la culture a commencé après 2004. Mais si ce plan a été commandité en 2004, qu'il est écrit, qu'il commence à être écrit en 2007, il n'est qu'approuvé définitivement par le gouvernement andalou en 2014. Sauf qu'entre 2004 et 2014, de nombreux agriculteurs avaient augmenté la superficie de leurs exploitations de fruits rouges. Et donc, au moment de l'application du plan et de son adoption définitive par le gouvernement andalou, il y a 1460 hectares de fruits rouges qui sont considérés comme étant illégaux et sur lesquels les puits doivent être définitivement fermés.
Donc, en réaction à l'application du plan, la majorité des agriculteurs du secteur des fruits rouges crée la plateforme de défense des terres irriguées du comte d'Adeau, de Huelva, et manifeste pour demander la régularisation de ces terres. Donc là, on voit, c'est l'image d'une manifestation, il y avait plus de 16 000 agriculteurs. Et en même temps, ils demandent une augmentation du niveau d'eau utilisable qui est fixée par la Confédération hydrographique du Guadalquivir, qui est l'organe national responsable de la gestion des eaux dans ce territoire. Donc en février 2022, je suis sur le terrain. Et c'est le moment où les partis politiques de centre-droite, de droite et d'extrême-droite, donc Ciudadanos, Partido Popular et Vox, décident de soutenir cette plateforme et présentent un projet de loi dont l'objectif est de changer le statut des hectares illégaux pour les régulariser. Sauf que ce projet de loi va avoir des conséquences immédiates sur l'équilibre du secteur des fruits rouges, puisque juste après la proposition du projet de loi devant le Parlement, l'association Puerta de Doñana, qui est une association agricole qui réunit l'ensemble des agriculteurs d'Almonte, décide de quitter la plateforme. Il y a plusieurs raisons à cette rupture. Donc, en premier lieu, la principale raison est que sur le total des hectares illégaux, il y a seulement une petite partie qui est située dans la ville d'Almonte. Donc, les Almontenios, qui sont les habitants d'Almonte, estiment que ce projet de loi leur porte préjudice devant les acheteurs intermédiaires européens, parce qu'ils ne se sentent pas concernés par l'irrégularité des hectares, puisqu'il y a seulement une minorité de ces hectares illégaux qui sont dans leur ville. Donc la question de l'eau, effectivement, la question de l'eau a donné lieu à de nombreuses années de conflits entre agriculteurs et écologistes. Et cette volonté d'amplifier les hectares irrigués juste à côté du parc national a été largement dénoncée par les organisations écologistes qui ont médiatisé le vol d'eau à Doñana, ce qui a d'ailleurs même conduit la Commission européenne à accuser l'Espagne de ne pas protéger suffisamment l'espace naturel. Donc aujourd'hui, la conséquence, c'est que de nombreux supermarchés de différents pays européens demandent des certifications qui attestent d'une extraction de l'eau soutenable. Donc ce projet de loi réveille toutes ces tensions et cette historique de conflit et conduit ces supermarchés à se détourner des producteurs de fruits rouges de la zone de Doñana. Et donc les agriculteurs d'Almonte, à la suite du projet de loi, se sentent menacés et clament que de toute façon sont régularisés et qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ces hectares illégaux. En second lieu, la seconde raison, c'est que les agriculteurs d'Almonte ne veulent pas avoir à partager le volume d'eau disponible avec plus de producteurs, puisque cela impliquerait qu'ils devraient réduire leur propre consommation. En effet, s'il y a une régularisation des hectares, cela signifie qu'il y a plus d'hectares à irriguer, alors que le volume d'eau qui est cédé par la Confédération hydrographique du Guadalquivir n'augmentera pas. Il y a donc deux raisons. L'une qui est sociale, qui est liée à la réputation devant les supermarchés européens qui sont les principaux acheteurs, et l'autre qui est matérielle, qui est liée à la faible quantité d'eau disponible au vu de l'importance de la production agricole et au vu notamment de l'importance de la sécheresse, puisque c'est la quatrième sécheresse la plus importante depuis 1960 en Espagne. Donc ce conflit a créé une véritable guerre entre les agriculteurs d'Almonte et les quatre autres localités de la couronne nord de Doñana, et c'est cette guerre qui a véritablement été médiatisée en Espagne. Officiellement, les habitants d'Almonte clament qu'ils sont unis à travers l'association Puerta de Doñana. Pourtant, bien que ce ne soit pas visible, j'ai pu voir sur le terrain que ce conflit a également fragilisé les relations entre les agriculteurs d'Almonte eux-mêmes. Entre d'une part la majorité qui est contre la régularisation, et d'autre part la minorité qui est concernée par ces hectares irréguliers qui est forcément pour. Puisque même s'il y a une toute petite partie des hectares qui est située à Almonte, ça signifie qu'il y a tout de même certains agriculteurs d'Almonte qui sont concernés par cette irrégularité et donc qui souhaitent que ce projet de loi soit validé. Il y a donc deux niveaux de conflit. L'un qui est territorial, qui est entre la ville d'Almonte et les quatre autres localités de la couronne nord, et l'autre qui est micro-local, puisque c'est un conflit qui a lieu à l'échelle de la ville d'Almonte elle-même. La petite partie des hectares illégaux qui est située à Almonte appartient à de petits agriculteurs qui font partie de l'unique coopérative de fruits rouges de la localité qui possède à peu près entre 2 et 10 hectares. Eux sont les seuls d'Almonte à n'avoir pas abandonné la plateforme du comte d'Adeau qui défend leurs propres intérêts et sont donc en conflit avec la majorité des agriculteurs de leur ville qui, eux, font toujours partie de l'association Puerta de Doñana. Les représentants de Puerta de Doñana sont, à l'inverse, de grands entrepreneurs de fruits rouges qui possèdent parfois jusqu'à 100 hectares de culture. Donc j'ai rencontré les deux types d'agriculteurs, les deux groupes, les petits comme les grands. Et je me suis donc rendu compte qu'ils avaient des discours très différents à propos de leur relation avec l'espace de Doñana. D'un côté, les grands agriculteurs d'Almonte et les personnes locales qui les soutiennent, qui sont donc contre la régularisation de ce projet de loi et de ces hectares et cette validation du projet de loi, répètent sans cesse qu'il n'y a pas d'eau et expliquent qu'ils ne souhaitent pas que les hectares soient régularisés, car cela constituerait un danger pour l'écosystème du parc de Doñana. Sur la page web de leur association, ils alertent sans cesse du manque d'eau, de la crise climatique affectant le parc.
En plus de cette auto-représentation comme défenseur du parc naturel, ces agriculteurs appuient sur la nécessité de garder l'eau pour les agriculteurs d'Almont, qui seraient les véritables habitants de Doniana. Donc ils ont développé un discours à propos de leur lien historique avec le parc naturel et parlent de la ville d'Almont comme d'une entité distincte des quatre autres localités de la couronne nord de Doniana. Comme me le dit une ingénieure agricole locale, Almonte est Doniana et Doniana est Almonte, ce qui montre en fait qu'ils considèrent que Doniana est l'espace des habitants d'Almont et pas celui des localités alentour. De l'autre côté, les cultivateurs d'Almont qui ont une partie de leur exploitation qui, elle, est considérée comme étant illégale, accusent les agriculteurs qui sont contre la régularisation d'être des grands propriétaires, qui ne les prennent donc pas en compte puisqu'ils seraient les petits. Ils tiennent un discours différent des grands, qui est centré plus que sur la défense de l'écosystème du parc de Doniana, sur la nécessité de préserver l'économie locale qui permet à toutes les localités alentour de vivre. Par exemple, je rencontre Fernando, un agriculteur qui possède 8 hectares de framboises. Depuis l'application du plan de la fraise, la moitié de son exploitation est considérée comme étant illégale et il doit donc arracher ses serres. Lui a peur d'être ruiné et il insiste sur sa longue histoire en tant que producteur et sur le fait qu'il doit nourrir sa famille. Il explique qu'il considère que Doniana est responsable de sa ruine et me dit « Moi, j'en veux à Doniana ». Il ne croit pas en la surexploitation du parc et affirme que les sécheresses sont seulement des cycles, alors qu'à l'inverse, les grands insistent sur cette crise climatique. Comme il le dit, il est vrai qu'il semble y avoir un peu moins d'eau qu'avant. On remarque qu'il y a un petit peu moins d'eau. Au mieux, dans 15 ans, le puits va s'assécher. Au mieux, d'ici 15 ans, il pleuvra à nouveau davantage. Ce sont des cycles. Dans tous les cas, les petits comme les grands cultivateurs souhaitent pouvoir continuer ce mode de production, mais ils expriment de manière distincte leur relation à l'espace de Doniana. Donc en fait, on pourrait dire que c'est paradoxalement que l'extraction de l'eau génère une identification collective à cet espace qui dépend de la possibilité d'accéder à ses ressources. Au contraire, ceux qui se voient limités dans la possibilité d'extraire ces ressources considèrent que le parc de Doniana considère Doniana de manière différente, puisqu'ils ne se réfèrent pas à leur inscription collective et historique dans cet espace, sinon seulement à l'histoire de leur propre trajectoire économique en tant que producteurs. Pour eux, Doniana est seulement un espace productif leur permettant de vivre, mais Doniana, comme parc national avec les régulations conservationnistes qui menacent leur usage des ressources, représente un danger pour leur futur. Donc, un élément important m'a permis de comprendre ces ambivalences, puisque quand j'étais sur le terrain, une expression qui revenait sans cesse pour désigner la culture des fruits rouges était « forme de vie ». Les habitants d'Almont considèrent que l'agriculture irriguée est une forme de vie, et ils s'y réfèrent comme si elle existait depuis toujours. En effet, d'un côté, la majorité des habitants est liée à la culture des fruits rouges. En plus de ceux qui ont monté leur propre exploitation, il y a toutes les personnes qui ont un emploi comme technicien agricole dans des entreprises de phytosanitaires ou encore dans les entreprises qui s'occupent de perforer les sols pour installer des puits. Il y a aussi toutes celles qui travaillent en tant qu'ouvriers journaliers agricoles dans les exploitations de fruits rouges, soit pour ramasser les fruits lors de la campagne, soit pour les mettre, pour les emballer, les envoyer dans les supermarchés. De l'autre côté, tous les entrepreneurs locaux qui ont réussi économiquement étaient au départ des travailleurs journaliers avant de commencer à cultiver les fruits rouges. Et les habitants d'Almont insistent justement beaucoup sur l'origine sociale de ces entrepreneurs qui viennent de familles très humbles, comme ils disent. Ils sont donc fiers de décrire ces trajectoires depuis le statut de journalier pauvre à celui d'entrepreneur riche. À côté de la valorisation de cette ascension sociale, les habitants d'Almont se réfèrent toujours au passé de manière négative et évoquent le temps de la faim et de l'autarcie propre au régime franquiste. Au contraire, la culture des fruits rouges et l'entrée dans l'Union européenne qui ont permis une ouverture au marché international sont décrits comme une libération de ce passé autarcique. Les cultures irriguées représentent donc pour les habitants une voie de réussite qui alimente beaucoup d'espoir. Par exemple, bien que la majorité des petits agriculteurs soient endettés et connaissent de nombreuses difficultés face à une concurrence qui est toujours plus forte et aussi face au fait que les régulations de l'eau sont toujours plus importantes et qu'il y a de moins en moins d'eau, il y a aujourd'hui de nombreux jeunes qui souhaitent monter leur propre entreprise de fruits rouges mais qui ne peuvent pas le faire puisqu'il n'y a plus de terres disponibles avec des droits d'irrigation. Pour comprendre l'émergence de cette culture comme forme de vie, il faut donc la situer dans l'histoire de l'espace de Doniana et de l'évolution des relations entre classes sociales. Puisque au XXe siècle, le parc de Doniana était un espace privatisé par une partie de la bourgeoisie de Cadix, alors que la majorité des habitants d'Almont travaillaient en tant que journaliers pour des grands propriétaires et avaient comme unique ressource de petites parcelles de vignes.
Comme l'ont montré de nombreuses études, ces importantes inégalités entre classes sociales avaient donc généré un sentiment anti-Doniana très fort à Almonte, et Doniana représentait un latifundium très éloigné des nécessités économiques quotidiennes des habitants. D'ailleurs, le fait que ce soit aussi devenu un parc national en 1969 a renforcé ce caractère éloigné de l'espace, puisque du coup, c'est passé d'un espace privatisé par la bourgeoisie à un espace également privatisé sous une autre forme par l'État, mais dans tous les cas, un espace dans lequel ils ne peuvent pas accéder et qui est finalement très limité. Donc l'émergence de la culture des fruits rouges qui dépend de l'extraction de l'eau apparaît pour les habitants comme une forme de revanche sociale, puisque la possibilité d'extraire des ressources dans un espace anciennement privatisé par la bourgeoisie se convertit en un symbole de lutte de classe ou en un compte social de l'ascension de l'ouvrier journalier. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que c'est les grands travaux d'irrigation qui ont été un outil fort du régime franquiste pour développer le monde rural espagnol ont fait naître de nouveaux modèles de réussite et de nouvelles formes de vie qui jouent sur les perceptions du passé des personnes et qui transforment leur vision du futur. Si ces nouvelles régulations de l'eau ont affecté les relations sociales existantes entre agriculteurs, c'est notamment dû au fait que l'implantation de l'agriculture irriguée et la gestion de l'eau ne s'appuient sur aucune connaissance locale, mais ont été entièrement amenées par un plan de développement qui a été mis en place par des organes de pouvoir exogènes. Aujourd'hui, de nombreuses amitiés ont été brisées entre les agriculteurs, entre ceux par exemple qui sont à faveur de la régulation, ceux qui sont contre. Il y a également de nombreux conflits physiques qui ont parfois lieu entre les agents de confédération hydrographique qui sont chargés de venir fermer les puits et les agriculteurs. Surtout, ces tensions participaient à redistribuer les stratégies et les affiliations politiques, puisque par exemple la récente réélection au mois de juillet du Partido Popular à la tête du gouvernement andalou est notamment due à la proposition de faire régulariser ces hectares. La question de l'accès à l'eau a donc modifié concrètement les territoires, mais aussi le rapport entre forces politiques, les relations entre agriculteurs eux-mêmes et les relations entre les agriculteurs et leur espace. Plus encore, on peut voir que cette guerre de l'eau traduit la relation plus profonde qui existe entre les habitants d'Almonte et les ressources de leur territoire, qui sont elles-mêmes inscrites dans une historicité sociale. Ainsi, pour pouvoir adopter un regard critique sur les politiques de développement, il faut saisir leurs effets matériels, mais aussi les mettre en rapport avec les perceptions que portent les personnes sur leur propre passé et avec l'histoire locale des transformations des relations sociales. Donc aujourd'hui, mon ethnographie est toujours en cours puisque je vais repartir sur le terrain. Mais il y a justement des questions auxquelles je n'ai pas répondu, comme quel pourrait finalement être le futur de ces personnes dont l'économie dépend d'une ressource qui s'épuise, ou bien comment penser les futures ruines de ces modes de production. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Oui, je disais, c'est de nouveau positivement vertigineux, tellement on a affaire à une vraie retranscription, alors encore plus dynamique et tout aussi, de nouveau convaincante à l'écrit et à l'oral. Quand j'utilise le terme vertigineux, c'est pour moi très positif, hein, c'est-à-dire que vous arrivez à embarquer dans votre présentation une multitude d'informations et d'espaces de conflit en l'occurrence. J'avoue que là, si vous me demandez de restituer qui est où à travers cette histoire, j'y arriverai pas. Donc la première chose, c'est que j'aurais besoin, pour me poser quand je vous écoute, peut-être d'une schématisation qui peut être utile, hein, parce qu'on voit des groupes spatialisés assez figé finalement et qui mobilise donc c'est la deuxième remarque, qui mobilise des justifications relativement intéressées. Donc la première question, c'est que finalement est-ce que c'est pas les économistes qui ont raison, est-ce que tout ça s'explique pas par une défense d'intérêts économiques assumés avec des discours parfois enrichis avec l'histoire politique, hein, dont vous avez parlé. Mais finalement, quand les économistes analysent le monde social à travers ces jeux d'intérêts, alors pas forcément contradictoires, c'est là où il y a peut-être un petit problème avec les économistes,
mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Et là, ce qui manque, c'est une forme de régulation qui n'a pas l'air d'apparaître ou qui n'a plus l'air de fonctionner, que ce soit une régulation par autoritarisme, que ce soit une régulation par le marché. Ça ne fonctionne pas puisqu'il y a une série d'acteurs qui sont exclus du marché. En gros, moi, ça m'a renvoyé aux travaux de Boltanski et Thévenot sur les économies de la grandeur. On voit concrètement se fabriquer ces justifications avec des réinventions ou pas. Ça, moi, je ne peux pas le juger. Ce n'est même pas la question, en fait. Hein. Et on voit surtout une situation, pour l'instant, inextricable. Donc, je suis très curieux de savoir comment vous allez aborder la question que vous avez posée à la fin, hein, que je me serais permis de poser, mais c'est après. Comment vous voyez les choses et quel mode de régulation, alors plus simplement, vous voyez se mettre en place aujourd'hui? J'appelle un mode de régulation quelque chose qui permet de pacifier, au moins pendant un temps, une situation extrêmement tendue et conflictuelle. Et encore une fois, bravo pour cette restitution complète et extrêmement riche, avec un cas ethnographique qui vous amènera, je pense, hein, sur énormément de réflexions conceptuelles et théoriques tout aussi riches. Encore bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été interpellée par un petit point qui était la vision d'un passé comme étant, je trouve pas mes mots, mais peu souhaitable, et un présent beaucoup préférable grâce à l'insertion économique dans le marché mondial. Et je me demandais si les gens avançaient des critères, des facteurs qui justifiaient que le présent était beaucoup plus agréable que le passé. Et si oui, qu'est-ce qu'ils mentionnaient ? Ça marche. Et puis pour aller dans le même sens et pour être provocant, j'adore ça, et faire le lien avec la discussion précédente, là, cette fois-ci, est-ce qu'on n'a pas eu une ethnographie d'un capitalisme libérateur mais restreint? Bah, merci pour les questions. Bah, du coup, la dernière question va aussi un peu répondre à la première, parce que justement, déjà, par rapport à la question de l'intérêt, quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que justement, ce qu'on voit, en fait, ce qui est en jeu, c'est que c'est pas forcément seulement un intérêt économique ou matériel, c'est aussi un intérêt lié, finalement, à la question des capitaux, notamment symboliques, à la question de la réputation, puisque c'est une société qui était finalement... notamment l'endroit que j'étudie, c'était un endroit, en Andalousie, dans toute l'Andalousie plus généralement, qui était caractérisé par une séparation entre grands propriétaires et ouvriers journaliers, une société extrêmement classiste. Donc c'est un peu ce que moi j'essaie de faire dans la thèse, c'est-à-dire de lier finalement une anthropologie de l'agriculture intensive avec aussi des questionnements sur le rapport entre classes sociales, sur le rapport justement avec ses intérêts plutôt symboliques, parce que c'est ça, c'est-à-dire que les personnes qui se définissent aussi comme entrepreneurs sont justement des personnes qui parfois, parce qu'on a vu, il y a des grands, il y a aussi des petits, et les petits en fait sont généralement tous très endettés, et finalement ce nouveau mode de culture ne leur a pas forcément apporté un niveau de vie bien supérieur, puisqu'il y en a beaucoup qui même continuent à travailler à côté juste pour pouvoir maintenir leur exploitation de fruits rouges. Donc c'est bien sûr pas du tout le cas des grands entrepreneurs qui eux maintenant sont multimillionnaires et donc c'est vraiment le cliché, quoi, de l'entrepreneur capitaliste qui s'est acheté plusieurs grandes voitures, des chevaux, puisque c'est aussi en Andalousie, c'est aussi une marque de richesse très importante. Mais l'ensemble de ces petits agriculteurs, qui sont en fait finalement la majorité, puisque les grands restent une minorité, eux n'ont pas forcément réellement connu cette ascension sociale à laquelle ils aspirent, à laquelle ils s'identifient. Donc en fait, là, ça me fait penser notamment à un article de Birgit Müller, anthropologue, qui explique ça aussi, c'est-à-dire aussi comment finalement l'idéologie néolibérale et l'idée d'un marché autorégulé favorisent les personnes s'identifient finalement à ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire à des personnes qui vivent dans une réussite sociale et économique, alors même que concrètement et matériellement, elles sont endettées et elles sont face à des contraintes. Donc, je ne sais pas si vraiment ça répond, mais
Mais enfin, je pense que ça répond à la question justement de la question de ce passé. Et pour la question du passé autarcique, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, ça c'est dans le texte, je ne l'ai pas dit à l'oral, mais typiquement, un de mes interlocuteurs m'explique que lui, quand il était petit, il demandait à ses parents, papa, maman, pourquoi sur la place du village, il n'y a que des hommes vieux avec une canne et il n'y a personne d'autre, parce qu'en fait, c'était les grands propriétaires qui occupaient l'espace public central et le rythme des personnes des autres personnes, en fait, c'était de venir tous les matins chercher du travail parce que c'était vraiment structurel. Le salariat était structurellement, était vraiment structuré comme ça, c'est-à-dire un travail de journalier, donc de personnes qui devaient quotidiennement revenir sur la place pour pouvoir demander, espérer avoir une journée de travail. Donc effectivement, c'était un passé qui, sur le plan vraiment des conditions matérielles de l'économie, n'était pas non plus, on va dire, attractif. Après, sur le plan vraiment des relations sociales et des Il y a toujours eu des conflits. Je ne vais surtout pas idéaliser justement un passé où les relations sociales étaient idylliques et belles entre agriculteurs, parce que de toute façon, même les monographies qui parlent de l'agriculture traditionnelle montrent qu'il y a toujours eu même des conflits à propos de l'eau, à propos de l'irrigation, à propos des ressources. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est l'usage d'une nouvelle ressource qui transforme finalement ces relations, qu'elles soient sociales, politiques ou économiques. En fait, ce que tu dis me rappelle tous les travaux aussi qui critiquent parfois cette question de l'entrepreneuriat comme libération. Enfin, c'est quand même le slogan du libéralisme en général et qui touche pas mal de gens. Et en même temps, qui les contraint, parce qu'on voit bien qu'ils sont endettés, que finalement, c'est quand même très compliqué. Je sais pas si j'ai pas de référence, mais enfin moi j'ai que des références sur Madagascar. Mais en fait c'est des choses aussi qui, enfin avec un passé esclavagiste à Madagascar, c'est pareil, devenir patron, c'est perçu comme quelque chose de positif parce qu'on se libère en fait justement de ce que tu dis, de la dépendance très interpersonnelle et très violente en fait, parce que là tu parles de cette place publique, enfin il y a un besoin d'y aller, d'aller se déplacer sur cette place, etc. Bon, voilà, je sais pas, c'est juste, j'ai pas de vraies questions, mais voilà, ça me fait penser à des choses. Mais du coup, je me permets de rajouter aussi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de hyper transversal dans nos présentations, dont je me rends compte maintenant quand Zoé en parle, c'est vraiment... bon, et moi, je pense à mes terrains plus actuels aussi, c'est cette arrivée du capitalisme, sa transformation, sa réappropriation, comment ça transforme les modèles de réussite. En fait, moi, ça se décline de manière hyper différente, mais et c'est là aussi où la question système monde est hyper pertinente, c'est qu'on est vraiment... je pense qu'on est dans un basculement sociétal qui va de Madagascar jusqu'à l'Espagne, quoi. Enfin, jusque partout, en fait. Donc, donc là, on va sortir, faire une grosse manif. Non, c'est pas... mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir ce que c'est en train de changer dans nos rapports au monde, là, dans le rapport à la nature, maintenant, dans le rapport à la santé, là, dans le rapport à l'aide au développement. Enfin, ça me frappe là en un coup à quel point je pensais qu'on parlait toutes les trois de choses différentes et j'ai l'impression que finalement on parle de la même chose, quoi. Voilà. Pas de manif, hein, parce que je suis pas responsable et puis je rentre à Bruxelles donc j'ai pas le temps. Ouais. Et surtout demain, on a aussi la deuxième journée. Et aussi, du coup, ce que tu dis aussi sur l'arrivée du capitalisme, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, notamment sur ce terrain, c'est-à-dire de comprendre aussi comment ça génère finalement ce mythe, comme quoi l'accès à une ressource va pouvoir permettre à ceux qui étaient tout en bas de l'échelle sociale de aussi accéder à ce statut social. Or, en fait, on se rend compte, ça, j'en ai pas forcément parlé dans la communication, c'était plus dans le papier, mais en fait, que ça a totalement rejoué des inégalités qui étaient déjà présentes entre grands propriétaires et petits, puisqu'il y a de toute façon à nouveau des grands agriculteurs très capitalistes et des petits qui sont aussi finalement des petits capitalistes, mais qui accusent les autres d'être des grands. Donc en fait, ces choses-là se rejouent, que ce soit dans un régime autoritaire ou dans un régime qui est plutôt régi par le capitalisme. Il me semble avoir compris. Non, mais pas du tout. Non, mais j'irai manifester avec vous, il n'y a aucun souci. Mais je serai derrière, par contre, parce qu'à mon âge, je dois me protéger. c'est risqué en ce moment. Il m'a semblé comprendre dans l'histoire, dans la chronique, en fait, des grands et des petits. Hein, moi, c'est ça que je vois, des mobilités. Bon, il y a des petits qui sont devenus grands. Voilà. Donc ce capitalisme-là, qui n'a l'air de produire que des affects tristes, que des pauvres surexploités, je trouve que dans cette narration, il y a aussi un ressort qui apparaît et qu'on oublie de mettre en avant,
c'est que c'est capitalisme, hein, puisqu'en fait, quand ils arrivent dans des contextes spécifiques, vous êtes toutes les trois à travailler sur vos contextes et vous l'oubliez jamais, et ça, ça me semble très très important. Donc ils se transforment de façon spécifique, mais ils produisent aussi en partie des affects joyeuses et des envies et des réussites. Et on travaille très rarement sur cette partie-là. Dans les discours, c'est ce qui est mis le plus en avant. Et c'est à mon... Enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein. Cette idée vient pas que de moi, elle vient de Lordon qui a mis longtemps à la mettre en avant, mais bon, je trouve que la référence est assez solide pour pouvoir l'utiliser, mais voilà, je trouve qu'il y a tout ça dans le terme a été utilisé tout à l'heure, je me méfie tout le temps, mais là il est bien utile. C'est la complexité des rapports d'exploitation, cette mobilité des grands et des petits, et ce qui, moi, m'obnubile, la façon dont une grande partie des gens adhèrent, sauf pendant peut-être et souvent des moments transitoires où ils n'ont pas accès au statut de grand, où l'accès à ce statut est un horizon totalement bouché. C'est peut-être dans ce temps-là où on est, c'est peut-être la situation particulière de Madagascar depuis toujours, parce qu'il y en a quand même très très peu qui en profitent. Mais là, on a un terrain qui nous montre toute cette fabrication dont certains profitent, et le fait qu'au final, ça tient. En ce moment, il n'y a pas de rapport extrêmement violent qui se développe sur place. Il y a donc un compromis qui fonctionne. Mais c'est plutôt, on va dire, par épisode. Quoi. D'accord. Donc il y a un compromis fragile qui fonctionne, qui est dénoncé, mais qui fait que ça tient. Il y a des institutions, en gros, qui font que ça tient. Et je crois qu'un des travaux à faire sur l'analyse du capitalisme, c'est comprendre ce que sont ces institutions et comment elles fonctionnent. Ça m'interpelle parce que dans mon travail, j'ai quand même mis en avant ça. Et c'était intéressant aussi de voir quand même que il y a beaucoup de gens qui y croient justement à ce capitalisme social, ces entreprises sociales. La salariée de Sanofi, elle était à fond. Danone, ils sont à fond. Enfin, vraiment, les salariés sont investis d'une vraie, voilà. Et les vendeuses aussi, il y a certaines vendeuses qui investissent cette idée d'être vendeuse modèle, etc. Mais moins quand même. Enfin, on voit quand même aussi les inégalités dans les affects. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'articuler les affects, donc la part de subjectivité, avec les processus objectifs de fabrique des inégalités. Parce que c'est aussi ça, en fait, c'est de ça qu'il s'agit avec le capitalisme. Enfin, les affects, du coup, ils valident, légitiment tout un tas de maintien, voire de fabrique, de renforcement des écarts sociaux entre les gens. Et voilà, tenir les deux ensemble, je trouve que c'est important de ne pas perdre de vue le deuxième aussi aspect. Quoi. C'était donc un atelier en fait sur le capitalisme. Non, mais c'est pas anodin. Hein. On est passé du développement au capitalisme. Et c'est pas neutre. Voilà. Merci en tout cas. Enfin, je ne sais pas si on a fini ou si on peut encore prendre des S'il y a des questions, dernière remarque ou question. Bon. Non, bah, merci pour vos travaux, vos présentations et vos travaux écrits. Puis on attend la suite avec impatience. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors c'était vraiment des interventions très riches, très intéressantes et qui nous ont fait un voyage un peu dans le monde et pour soulever des questions sur le développement, vous parlez marge et les subalternes. Je vais juste vous faire un petit rappel. Demain, c'est la deuxième journée et la dernière journée de cette année. Il y aura trois sessions de présentation doctorant, toujours avec les sujets intéressants et importants. Et puis, un atelier aussi très intéressant qui porte sur les publications académiques pluridisciplinaires sur le développement. Donc, ça peut intéresser aussi les doctorants et jeunes chercheurs-chercheuses. Et puis, on terminera par le plénière de fermeture. Au plaisir de vous revoir demain encore avec nous. Merci pour être là et voilà. Bonne journée à vous.